Alors peut-être. We really went for that one. That's huge. 22-91. Et voilà, tu vas pas enlever ton maillot. Si on s'habille. Super jet. Towards another gold medal. Watch the clock this time. I believe it. Bonjour à tous, et bienvenue dans cette déjà 9e émission d'On va s'y atteler. Encore une fois, une émission exceptionnelle, j'ai l'impression de dire ça toutes les semaines, mais chaque semaine c'est vrai, on a de la chance d'avoir à chaque fois des invités vraiment exceptionnels qui nous font l'honneur d'être là, donc ça fait vraiment plaisir. Comme d'habitude, aujourd'hui on va d'abord dans un premier temps débriefer tout ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de l'athlétisme. Il y a encore eu beaucoup de choses, et donc on a beaucoup de choses à dire. Puis ensuite, voilà, vous l'avez vu, l'émission va parler de 4H. On est là pour parler de 4H, on a des spécialistes de 4H. Donc on a déjà eu la chance d'avoir déjà deux records du monde en ce début de saison. En cette saison, en tout cas 2021. Donc on va vraiment parler en long, en large, en travers de 4H. Avec des invités d'exception comme je vous ai dit. Donc je vous propose sans plus attendre qu'on les accueille. Et qu'on lance directement cette émission. Hop, je les accueille, ils sont là, ils sont tout beaux, c'est bon, on vous voit tous. Je démute vos micros et je vous présente. Et ben on va commencer, on commence par les femmes, on va commencer par Agnès. Du coup Agnès, tu me dis Agnès si je dis des bêtises, hein. Non, moi j'ai préparé mon truc, mais si jamais je dis des bêtises, t'hésites pas à me couper. Donc Agnès qui est double championne d'Europe et 4 fois médaille européenne avec le pilier 4x4, c'était vraiment avec le relais 4x4, c'était vraiment un des piliers du relais justement. Et Il n'y a pas de problème de son, non, j'ai l'impression qu'il y a un problème de son. Vous m'entendez tous bien? Oui, oui. Ok. Ouais, ouais. Vous étiez très silencieux, du coup je me suis dit j'espère que tout le monde m'entend. Agnès, elle a quand même un record sur le 400 plats, du coup à 52-23. Et surtout Agnès, elle est là parce que cette année, elle a entamé sa reconversion sur les haies. C'est une première saison sur le 4H, soldée par une troisième place au championnat de France, avec un nouveau record personnel en 57-16. Donc, déjà Agnès, est-ce que ça va? Ça va bien, ouais, ça va très bien. ça va, la saison est terminée pour toi ou... Eh ben non, pas tout à fait. Je cours ce week-end au championnat de France Open. Bah, je profite du fait de pouvoir enchaîner deux courses. C'est vrai que je suis débutante sur 400 haies, donc pouvoir enchaîner, c'est pas mal. Ok, et après ça, dernière course de la saison, après tu coupes? Ouais, normalement, j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait. J'ai pas envie de me casser la tête à devoir trouver des endroits où courir avec les passes sanitaires et compagnie. C'est vrai. Moi, je comprends. Bon, on suivra ça, du coup, le championnat de France Open. Tu m'as dit qu'ils ont lieu ce week-end, c'est ça? Et ouais, c'est ça. Samedi, dimanche, série finale, si ça passe en finale. Ok. Et c'est où? C'est au stade de Évry-Bondoufle. Ok. Donc, comme le championnat de France jeune, qui était la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Ok, pas de soucis. Bon. Le deuxième invité du soir, quand j'ai fait l'annonce sur Twitter, on m'a dit « Ah, il n'y a pas Jean-Jacques, Jean-Jacques Bem qui est là dans l'émission. » Non, il n'y a pas Jean-Jacques, mais il y a son acolyte. Si vous ne le connaissez pas, bah, vous allez apprendre à découvrir. C'est Sylvain Dubail, du coup, qui est le co-rédacteur des Nouvelles du 4H, avec Jean-Jacques, du coup, et qui est en plus coach au Pôle Espoir de Dijon. Ça va, Sylvain? Oui, ça va très bien. Toi, tu dois te régaler. Ça va très bien, heureux d'être là ce soir. Comment? T'as dit quoi, Sylvain? Excuse-moi. Heureux d'être là ce soir. Oui. Pour parler de 4H. Oui, ce que j'allais dire, tu dois te régaler. En plus, cette saison, bah, pour un amoureux du 4H comme toi, pour l'instant, tu vis plutôt une belle saison, je pense. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas trop mal pour l'instant. On est plutôt gâté sur le 4H. Notre dernier invité du soir, bah, voilà, c'est Stéphane Caristan. Je pense que vous l'avez déjà reconnu. Il est connu dans le monde de l'athlétisme pour avoir brillé sur le 110 mètres raies, notamment où il a été champion d'Europe et recordman d'Europe sur la distance, puis également sur le 400 mètres raies plus tard dans sa carrière où il a également brillé. Il a notamment fait une finale olympique en 92, la même finale qui a vu le record du monde de Kevin Young, donc en 46-78. Ça va Stéphane? Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Étienne, oui très bien, très très bien. Tout à l'heure on m'a mis sur Twitter quelqu'un qui me disait qu'il pensait que tu étais le seul athlète à avoir été finaliste à la fois sur 110 et sur 400. Je ne sais pas si tu l'as cette stat ou pas. Alors c'est une stat qui est exacte mais qui est après-guerre, après 45, parce que j'ai fait une finale sur 110 en 84 et une finale sur 400 en 92. Et il y a un Suédois, donc à deux Olympiades d'écart, mais il y a un Suédois qui l'a fait en 1920 et 1924.
Donc on est deux. Deux, ok. Bon, bah, c'est quand même pas En mal. fait, C'est c'est pas mal. Bah, à défaut de médaille, voilà. bon, c'est quand même pas mal comme stat. D'ailleurs, moi, je voulais savoir, on sait que tu as été entraîneur national à la Fédération. Tu as également officié pas mal de fois comme consultant, notamment Canal+, Eurosport. Aujourd'hui, Stéphane, tu fais quoi? Tu étais encore consultant? Tu es encore entraîneur? Tu fais quoi, toi? Alors je travaille à l'INSEP, que tout le monde connaît, Oui. comme préparateur physique Ok. dans le pôle performance. Et je travaille pour les pôles qui ont besoin d'accompagnement sur la préparation physique. Je travaille à l'année, par exemple, avec le Pentathlon Moderne, le groupe de Jean-Pierre Guyomard avec Valentin Prade et Marie Oteza qui sont qualifiés à Tokyo. Je travaille avec les U16 en basket garçon, par exemple, avec le tir à la carabine, trois positions. Et puis je fais des missions. La semaine prochaine, je vais travailler avec une skieuse qui prépare les Paralympiques, Marie Bochet pour la cité. Et voilà, donc je suis un petit peu multicarte. Ok, donc un petit peu moins dans l'athlé, un petit peu plus dans tout Oui, je suis plus du tout dans le l'athlé même, reste. et je Ouais. travaille aussi comme consultant sur Eurosport et sur Canal de temps en temps. Ok, bah, je voulais savoir si tu étais toujours consultant, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on en voit pas mal des consultants. En plus, avec Athlé TV, il y a plein de compétitions du coup maintenant qui sont retransmises. On a eu des discussions justement dans cette émission sur les consultants et les nouveaux consultants. Et je voulais savoir si tu officiais toujours en tant que tel. Ben, avec Eurosport la semaine prochaine pour la cérémonie d'ouverture et puis pour tout l'athlétisme en direct. Ok, bon, mais cool. On te suivra alors sur Eurosport pour les JO. On va présenter aussi bah, Léna. Bon, Léna, c'est pas une invitée, c'est une habituée de l'émission, mais c'est notre championne de France et élite du 800 mètres en salle. Et Léna, je te disais avant que l'émission commence, ça faisait un petit moment finalement qu'on t'avait pas vu sur l'émission, on t'a pas vu depuis les championnats de France. Des championnats de France en demi-teinte pour toi? Ouais, je me cassais, j'avais trop honte. Ah ouais. Non, j'ai coupé, j'ai arrêté ma saison parce que ça allait pas trop. J'ai pris une semaine de vacances tranquille, j'ai été chez ma mère me ressourcer un peu. Et voilà. Me voilà de retour, en forme. Et voilà. Quand tu dis t'as coupé, c'est t'as juste coupé un petit peu ou carrément ta saison est terminée là? Là, ma saison elle est terminée, j'ai fait un 400 une semaine après les France pour voir où j'en étais. Sur 400, ça s'est pas bien passé, donc j'étais, enfin, ça prouve que j'étais pas en forme du tout. Et là, je suis attelée un mois Ok. pour mieux reprendre ça. Ok. Bon, quand même satisfaite dans l'ensemble de ta saison 2021, t'as fait une grosse saison en salle quand même. Ouais, la saison ça c'était vraiment chouette. Bon, j'aurais aimé que ça aille plus rapidement cet été, mais bon, on apprend, on note, on prend des notes et ça ira mieux l'année prochaine. Ouais, bon, on l'espère en tout cas, on te suivra bien sûr avec attention et on te reverra dans l'émission à chaque fois pour que tu nous fasses un petit point sur ta saison. Et voilà, et normalement, on avait encore un cinquième protagoniste ce soir qui était avec nous, quoi, un sixième en comptant. C'était PJ qui devait être avec la PJ Vazel qui devait être avec nous ce soir, mais malheureusement il pourra pas venir puisqu'il était encore à l'entraînement avec Quentin. Ils ont terminé un peu plus tard que prévu et il nous a dit bah malheureusement on est à 10 jours des jeux et on peut pas se permettre voilà de squeezer l'entraînement, ce qu'on peut comprendre. Voilà, donc tous les détails sont importants à ce moment-là de la saison. Donc bon, en tout cas PJ, on l'embrasse et on souhaite bon courage à Quentin pour les JO. Bon, on a fait le tour. Je vous propose qu'on se lance direct dans le vif du sujet et sur les actus, hein, parce qu'on a encore eu pas mal d'actus cette semaine. Avant de passer sur le 4H, on va d'abord faire un petit tour sur les actus de la semaine rapidement. Notamment, on a vécu, donc c'était hier, la dernière Diamond League avant les Jeux Olympiques. Donc ça faisait la première partie des Diamond League de la saison. Une Diamond League qui s'est passée en Grande-Bretagne, à Gateshead. Une Diamond League assez terne, j'ai pas trop pu la suivre. Je sais pas si vous l'avez regardé ou non, mais en termes de performance, voilà, il n'y a pas eu de gros éclats. Moi je noterais quand même le record d'Espagne de Mohamed Katir en 7,27 sur le 3000. Il avait déjà brillé sur 1500 et en 3,28. Voilà, il continue d'impressionner, il est encore jeune, 98. On le voit arriver sur la scène petit à petit. En tout cas, il a vraiment explosé cette saison. Il va peut-être se placer dans les favoris pour aller chercher une médaille à Tokyo, c'est pas impossible. Je sais pas vous ce que vous voulez en retenir un petit peu de cette Diamond League. Stéphane, tu l'as regardé ou pas? Oui, je l'ai regardé, absolument. Je l'ai même commenté pour Canal Plus Afrique. Ok. Et effectivement, alors il y a deux problèmes avec ce meeting, c'est que pour ceux qui allaient aux Jeux Olympiques, aller en Angleterre avec les restrictions sanitaires, les consignes sanitaires, c'était problématique. C'est pour ça qu'a priori, il n'y avait pas de Français. Et il y avait peu d'Américains. Les Américains, on en a vu quelques-uns sur le sprint notamment. Et c'est vrai qu'on était un petit peu déçus parce que les conditions étaient quand même nettement mieux que pour l'ouverture de la saison
à Gateshead justement en mai, où il faisait froid, il pleuvait, il y avait du vent. Là, il y avait quand même des bonnes conditions et les performances, on sentait que les gens étaient un petit peu sur la retenue pour éviter la blessure et préparer les Jeux dans de bonnes conditions. Moi, c'est ça. J'ai l'impression qu'elle était peut-être un petit peu tard, cette compétition, par rapport aux Jeux Olympiques, et qu'il y a beaucoup d'athlètes qui voulaient surtout éviter de se blesser plus que faire des grosses perfs. Sylvain, je ne sais pas si tu as regardé, toi, le meeting. Non, je n'ai pas regardé du tout. Pourtant, il y avait un 400 mètres et il y a encore une victoire de Femke Bol. On parlera d'elle plus tard dans l'émission, mais voilà, encore une victoire de la jeune néerlandaise. Agnès, toi, t'as suivi ou pas du tout? Non, pas du tout. J'ai regardé vite fait les résultats, mais j'ai pas suivi. Bah, on n'était pas, pas hyper hype pour cette compétition. On avait pris plein les yeux à Monaco, et là, c'est vrai que on a baissé un petit peu d'intensité. Mais quand même, il y a eu, on en parlait peut-être un petit peu trop proche. Il y a eu une autre polémique aussi sur cette compétition. Je sais pas si vous avez suivi. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai le tweet. Non, j'ai d'ailleurs, c'est un post Instagram. Johannes Vetter, du coup, le lanceur de javelot, favori pour remporter la médaille d'or à Tokyo. Qui a mis un message en disant quelle compétition, je le traduis, de merde. Je suis pas quelqu'un qui cherche d'habitude pour des excuses, mais je suis vraiment disappointed, déçu par la compétition d'aujourd'hui, par l'organisation et les conditions. On a eu une piste qui était vraiment très très glissante, et apparemment les organisateurs ils s'en foutaient un petit peu des risques de blessures. Ensuite on a dû attendre très longtemps avant de faire notre dernier essai à cause de la télé. Et ensuite, il parle à la Diamond League, il leur dit « Vous espérez qu'on fasse des grosses performances, mais de votre côté, vous ne réussissez pas à nous donner des bonnes conditions pour le faire. C'est embarrassant. Au moins, j'ai réussi à gagner, mais bon, je pense que l'argent aurait été mieux investi dans une nouvelle piste. Je vais seulement considérer de revenir à ce meeting que s'ils changent de piste. » Donc voilà, moi, je n'ai pas non plus pu voir la compétition. Toi, du coup, Stéphane qui l'a vu, je ne sais pas s'il y avait un problème particulier avec la piste, mais en tout cas Johannes Vetter qui semblait très remonté quoi. Bah, oui, effectivement, il a fait 7 concours à plus de 91 mètres cette année, et là il a commencé son concours à 20 mètres de son record, à 79 mètres, 78 mètres. Ouais. Donc il a eu du mal à passer les 80 mètres, et c'est vrai que avec la formule dynamique entre guillemets de l'I2AF pour dynamiser un petit peu les concours, où on prend les 3 meilleurs et on attend le direct de la télé, bah, c'est vrai que des fois il y a un temps mort assez long entre le 5e essai et le 6e pour qu'il passe en guest star sur les 3 derniers essais. Et c'est vrai que ça peut poser des problèmes, d'une part. Et visiblement, je n'étais pas sur la piste, mais il est mieux placé que moi pour dire que la piste était glissante et presque dangereuse. Donc ceci explique cela, parce qu'il était vraiment très très loin de ses performances habituelles. Il a réussi à faire un 85 mètres au dernier, au 6e justement, mais en s'employant violemment, quoi. Il y a Nelson dans le chat, du coup, un de nos chroniqueurs, qui nous dit qu'il a mis une vidéo de son 5e essai où apparemment il est tout proche de tomber sur son 5e essai. Donc bon, on comprend qu'il soit pas forcément très très content de l'organisation. En tout cas, voilà. Donc c'est dommage, ça vient entacher un meeting qui déjà était un petit peu terne en termes de performance. Et en plus, les athlètes, s'ils s'en plaignent, ça fait beaucoup pour le meeting de Gateshead. On espère que l'année prochaine, les choses seront réglées de leur côté. Bon, on va pas faire vraiment plus long que ça sur cette Diamond League, parce qu'il n'y a pas grand chose non plus à dire, comme on l'a dit, pas d'énormes performances. Plus de choses à dire sur les championnats d'Europe espoirs qui se sont déroulés toute la semaine dernière, du coup à Tallinn. Des championnats d'Europe qui se sont plutôt bien déroulés pour les Français, puisque on termine la nation avec le plus de médailles. On n'est pas premier au tableau des médailles, c'est l'Italie, mais on est la nation qui a rapporté le plus de médailles, 17. C'est un record égalé pour l'équipe de France, dont 3 en or, donc pour le 4x4 masculin, pour Ethan Cormon à la perche, lui qui ira aux Jeux Olympiques, et pour Flavio Renoir sur le 3000 mètres steeple. Je voulais savoir. Un petit tour d'étape rapidement. Est-ce que pour vous, c'est vraiment une bonne nouvelle d'être la nation qui a fait le plus de médailles aux Europe Espoirs? Oui ou non? Léna, oui ou non? Moi, c'est pas tant d'être la nation qui a fait le plus de médailles, c'est d'égaliser le record de médailles qui a été fait il y a 2 ans. Je crois qu'on avait fait, on avait ramené 21 médailles, il me semble. Non, 17, c'est pareil. 17, ok. Ouais. c'est égalisé, donc c'est cool. Ça montre qu'il y a quand même une nouvelle génération super dynamique. Donc c'est vraiment chouette. Et dans des disciplines différentes, là on voit qu'il y a un 4x4 qui est performant, un sauteur à la perche qui est performant, une stipleuse. Donc c'est vraiment des disciplines qui sont différentes. 2 médailles au javelot. Quelque chose qui nous arrive rarement quand même en France. Et il y en avait eu une sur le javelot féminin il y a 2 ans, il me semble. Ouais, mais c'est quelque chose d'assez rare quand même pour la France, ouais, d'avoir des médailles en lancer le javelot. C'est trop chouette qu'il y ait des médailles dans plein de disciplines, et qu'il y ait vraiment une dynamique qui tient la route sur plusieurs années, quoi. Agnès, tu as suivi un petit peu la compétition ou pas du tout?
Pas trop, trop. J'ai suivi, j'avoue, j'ai suivi les épreuves que je connais, Oui, non, non, mais c'est-à-dire pas. le 400 mètres et le 400 et le 800, le truc qui m'intéresse un peu plus. Toi, t'en Et non, penses c'est quoi de sûr ces que Europes bon. Espoir? Parce qu'on a, par exemple, je vois Patrice qui était dans le chat, qu'on a eu la semaine dernière, qui lui nous disait, bah, en espoir, on est plus jeune, et donc finalement, les espoirs, ils devraient pas être championnats d'Europe. C'est pour ça que je demande, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Parce que les espoirs, ils devraient pas être championnats d'Europe, ils devraient être en train de préparer les Jeux Olympiques, finalement, on n'est plus vraiment jeune. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus aussi. Vas-y, Agnès, je te laisse continuer. Bah, c'est sûr qu'on n'est plus vraiment jeune, mais en même temps, les portes sont tellement fermées pour faire des sélections seniors aussi, qu'en profiter pour faire des sélections espoirs qui te mettent déjà dans le bain d'une sélection équipe de France, de l'ambiance équipe de France, d'une sélection internationale, et puis le niveau international, il est quand même élevé. Enfin, c'est de l'expérience pour plus tard, quoi. Donc là, les personnes qui étaient proches de se qualifier pour les Jeux, mais qui ont pas été qualifiées, on va pas, faut pas cracher dessus, quoi. C'est une bonne compétition à prendre et ça fait travailler pour la suite. Stéphane, t'as un avis sur la question? Je suis partagé parce que je suis un vieux de la vieille, moi je suis de l'ancienne, je suis du siècle dernier, donc ça commence à dater. Je trouve que les résultats sont excellents. Effectivement, la diversité des médailles, notamment dans les lancers, c'est une très bonne nouvelle pour nous. On a de la densité, on a de la réserve. Après, j'aime bien les compétitions U20, U18 parce que c'est vrai que ça donne de l'expérience. Moi, personnellement, j'ai jamais fait de compétition de ma vie en espoir. Je savais même pas que ça existait de mémoire. Ou peut-être ça n'existait pas à mon époque. Parce que le haut niveau, ça commence, bah, pour être performant, dès la sortie des juniors, il faut aller taquiner les seniors. Alors, c'est vrai que quand on n'en a pas les moyens, bah, c'est génial. C'est une compétition intermédiaire qui permet de faire ses armes et de trouver de l'expérience et de s'aguerrir. Mais quand on voit Warhol, bon, il a été champion dans cette catégorie-là, mais l'année d'après, il était tout de suite chez les ténors, dans la cour des grands. Donc voilà, c'est les espoirs, les moins de 23. En France, on a quand même du mal après à passer dans cette catégorie senior, qui est vraiment la catégorie référence et qui donne le palmarès et le potentiel. Donc un petit peu partagé, mais en tout cas, une belle équipe de France jeune, ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai que moi aussi je suis partagé parce que c'est comme je disais, j'ai l'impression que finalement comme les meilleurs sont pas là, d'être la nation qui a fait beaucoup de médailles, ça veut peut-être dire que nos jeunes aussi ils sont pas au plus haut niveau, parce que par exemple il y a beaucoup de jeunes qui, bah, les meilleurs, et encore une fois ils préparent les Jeux Olympiques, il y en a quelques-uns qui étaient là, hein, qui ont fait les Europes Espoirs, c'est le cas de Ethan Cormon notamment et de Serena, Samarina qui font les deux, qui ont fait les Europes Espoirs et qui font les Jeux Olympiques, mais par exemple on pense notamment à Jacob Ingebrigtsen ou des personnes comme ça qui sont déjà au plus haut niveau mondial et ils viennent pas faire les championnats d'Europe Espoirs, donc c'est vrai qu'on peut voir un peu dans les deux sens. Je sais pas si... Oui, C'est vas-y, bien pour Stéphane. la maturation lente. Il y a des épreuves qui nécessitent aussi de l'expérience. Donc c'est toujours un petit plus. Mais c'est vrai que on voit bien que les tout meilleurs espoirs, eh bien, ils sont déjà en train de préparer les jeux, même les Français. Oui, bien sûr. Sylvain, tu veux rajouter quelque chose ou pas? Non, effectivement, il y a quelques disciplines où les meilleurs espoirs sont déjà au jeu, mais ça représente quand même pas une majorité des espoirs, quoi. Il y a effectivement quelques-uns des très bons espoirs qui préparent les Jeux. Les autres, ils étaient là quand même. Donc, faire notre record de médaille, c'est quand même plutôt bon signe. Non, bien sûr, ça reste plutôt bon. Et là, on a d'ailleurs les championnats d'Europe juniors qui viennent également de commencer aujourd'hui. Bon, pour l'instant, ça débute juste, mais on a déjà eu un record d'Europe, un meilleur performance mondiale de tous les temps, cadet pour le jeune Jefferius, du coup, le jeune Strasbourgeois qui a réalisé 10-29 en série ce matin et qui est qualifié pour la finale. Voilà, là aussi, encore une pépite. Et on en parlait encore la semaine dernière de l'athlétisme jeune en France, pour le coup, qui se porte plutôt bien dans les catégories jeunes. Ça marche plutôt bien. Maintenant, il faut réussir à convertir tout ça vers les seniors. C'est là où on a peut-être plus de mal. Léna, je reviens vers toi parce que toi, la perf de la semaine que tu voulais mettre en avant, ça s'est passé justement à cette championnat d'Europe Espoir. Oui, j'ai vu qu'il y a certains Ouais. qui commençaient à en parler dans le chat. Ouais, j'ai vu Donc... aussi. Ça tombe bien. Justement, j'ai choisi ce passage-là. Pendant que tu vas nous parler du 4x4 féminin, j'ai choisi le Ouais. passage de Louise. J'ai oublié son nom. Maraval, je crois que ça se dit. Ouais. Louise Maraval, qui est heptathlète, qui a fait l'heptathlon lors de ses championnats d'Europe, qui a fait top 10, je crois, à l'heptathlon, et qui est aussi très bonne coureuse de 400, Bon, alors, la et voilà, qui c'est la petite qui est en train de dépasser tout le monde là, qui se a replace en gagné deuxième position.
Parce qu'elle a pris le témoin en troisième position et elle fait un 200 mètres de dernier 200 mètres de folie pour finir en bon quoi. Enfin, vraiment incroyable. Les filles dans l'équipe en finale, il y avait Sorna Lacoste, Louise Maraval, Camille Seri et Shana Grebo. Et faut pas oublier Agathe Guillemot qui avait couru les séries. Les séries en fait c'était le matin et la finale c'était l'après-midi, donc elles ont eu deux 400 de la même journée. C'est assez costaud pour les coureurs de 400 qui connaissent l'effort que c'est. Je vois dans le chat que ça parle de temps de passage. J'ai fait les calculs parce que sur le site de la FEDE européenne, vous pouvez avoir en fait les temps à chaque 100 mètres. Donc j'ai fait un petit calcul. Sorna Lacoste a été flashée en 53.06, Louise Maraval 52.00, Camille Seri, est-ce que j'ai sous le temps, 53.42 et Shana Grebo 51.85. Donc c'est un relais très costaud et à la fin, faut record de France. C'est un record de France qui datait de 86, si j'ai bien noté. Donc c'est incroyable. C'est une génération qui est assez jeune parce qu'elles sont quasiment toutes espoir 1 et espoir 2. Ça promet pour les prochaines années. Et puis vu qu'on est, on va parler de 4H aujourd'hui. Il y a deux coureuses de 4H dans le relais. Shana Grebo et Agathe Guillemot. Donc Shana Grebo, elle est championne de France élite sur 4H. Elle a fait 7e aux Europes sur la même distance. Et puis je pense que Louise Maraval, si on la met sur 4H, je pense qu'elle pourrait aller très vite. Donc hâte de voir ce qu'elle va nous donner les prochaines années. Et ça fait plaisir de voir un relais jeune qui avance, quoi. Parce que la France, on est une grande nation de relais. Et on le prouve, les filles font deuxième, les garçons gagnent 4. Donc ça fait plaisir de voir des relais français jeunes qui vont bien, quoi. Je sais pas si on dit ça dans l'athlétisme, je sais qu'en natation on dit qu'on peut estimer la forme d'une nation par rapport à ses relais, justement à son relais 4x200. Peut-être si on le dit aussi en athlétisme, le 4x4 peut-être qu'il montre que la France est en forme, en tout cas dans cette catégorie espoir. Pour être compétitif. Je vois Stéphane qui acquiesce, ouais, il est d'accord avec moi. Oui, c'est vrai qu'on voit souvent et on dit souvent que notamment le 4x4, c'est un peu la force d'une nation. Et c'est vrai qu'on a été très très fort en France et que ces dernières compétitions, on a au jeu notamment, puisqu'on est en année olympique, on n'a pas qualifié, on avait 4 relais à Rio, aucun en finale. J'ai peur qu'on aille vers un résultat similaire à Tokyo parce que Les espoirs, et c'est vrai ce que dit Léna, ont été exceptionnels, puisqu'il me semble, si je me souviens bien, que le temps qu'elles ont réalisé, c'est plus vite que le relais 4x4 aux Jeux mondiaux qui ont eu lieu fin avril, début mai, je crois, par l'équipe féminine du 4x4. Donc c'est grosse perf, c'est bien. Je pense qu'Agnès va pouvoir nous en parler quand même. Le 4x4, c'est un peu ta spécialité aussi, Agnès. Ouais, même si je m'en détache là, détache justement, j'ai envie d'être, de penser à moi et à l'individuel et à laisser un peu le 4x4 de côté, même si j'adore, quoi, j'ai toujours adoré, mais là je veux penser à moi et vu qu'il y a de la relève, je laisse la place à la relève. Mais je pense que t'es pas d'accord avec Stéphane, on aura le 4x4 des filles qui sera en finale à Tokyo. J'espère. Après, c'est une équipe, plus ou moins nouvelle. Enfin, moi, je sais que on a du mal à se, on se voit pas souvent. Enfin, même si moi, je suis plus dedans, mais les filles du 4x4, on a eu ces dernières années, on a eu peu de moments où on se retrouvait. Donc, pour moi, c'est important. À voir ce que ça donne, j'espère que ça va le faire. Je pense qu'il y a il y a une grosse génération qui arrive. Moi, je sais que le niveau en 2016, quand j'étais partie au jeu, la finale des élites, ça avait couru moins vite que cette année. Donc là, il n'y a pas de raison. On en avait parlé. Plus vite au jeu. Il y a une belle densité en ce moment. Sorna Lacoste, qu'on en parlait justement, elle termine quatrième en finale des élites avec 52-34. Donc ça monte quand même le niveau. Il y a 9 filles qui ont couru en moins de 53. Cette année en France, donc il y a quand même une belle densité autour de 52. Après, donc peut-être encore vraiment une leader qui est en 50-50 ou en tout cas en moins de 51 pour vraiment tirer l'équipe.
Mais bon, on a quand même deux filles en moins de 52, donc on ne sait jamais. Si toutes les pièces se mettent bien les unes avec les autres, il y a toujours moyen de gratter quelque chose. Bon, c'est la magie du relais, quand même, comme disait Léna. On ne sait jamais. Bon, voilà. Pour ces Europe Espoir, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter ou pas, s'il y a une paire vraiment qui vous a marqué plus que les autres. Sinon, on va conclure le sujet. Peut-être, Sylvain, si tu as quelque chose que tu voulais relever, ou on clôt le sujet. Moi? Oui, si j'ai... oui, Sylvain, oui. Si jamais il y a une paire vraiment qui t'a marqué aux Europe Espoir dont tu veux nous parler. Et si je suis un peu chauvin, on va parler du 400 français. Chana Grébeau qui bat son record en demi-finale. Ouais. Et la petite anecdote quand même là-dessus, c'est qu'elle rajoute. Alors, sûrement, il y avait sûrement un vent de sud qui disait qu'il devait être vent de face entre le départ et la première revêt, sûrement. Parce qu'elle a fait une foulée de plus entre son départ et sa première revêt. Et du coup, au lieu de faire 16 à la 5 comme elle fait habituellement, elle a réfléchi et elle a dit ben non, je vais faire 16 à la 4. Et après, comme ça, je serai en 17 pour le reste de la course. Donc, elle a adapté son schéma technique à un imprévu. Je trouve ça fort et en plus, elle bat son record. Donc, c'est. Voilà, c'est le petit truc que je retiens. Non, c'est vrai que ça fait partie aussi des qualités qu'il faut avoir sur le 4H. Il faut beaucoup de qualités pour faire du 4H. Et il faut notamment pouvoir faire face à des imprévus qui arrivent en plein milieu de course. C'est pas toujours comme on l'a imaginé. Ça, c'est pour Agnès. On en reviendra sur Agnès après, mais Agnès qui a plutôt bien géré pour sa première saison sur 400 mètres, justement. Je lisais les nouvelles du 4H de Sylvain et il était plutôt élogieux envers Agnès. On en parlera après. Donc on clôt le sujet sur les Europe U23, mais par contre on reste un petit peu avec les jeunes et dans des nouvelles qui sont moins belles. J'aurais bien voulu que PJ soit là justement pour nous en parler un petit peu, parce que je l'ai vu s'énerver un petit peu sur Twitter. Je ne sais pas si vous avez suivi ça cette semaine. Hop, je vous mets tout de suite l'article, ça s'est passé encore une fois hier. Oliver Dustin, une des nouvelles pépites du demi-fond britannique, ils en ont pas mal pour le coup les Britanniques, des pépites dans le demi-fond, qui a réalisé une 43-82 cette année. À 20 ans sur 800 mètres, qui a eu un article dans le Times, donc un article hier qui est sorti pour dire qu'on aurait trouvé de la cocaïne dans un de ses tests antidopage. Donc voilà, on a commencé à dire qu'il ne pourra pas participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, ça a commencé à faire un petit peu de bruit. Et finalement, c'est revenu aujourd'hui, le laboratoire de Nice, celui qui s'était chargé de faire les analyses, qui a dit que finalement c'était de leur faute, qu'il y avait une contamination du sample, je sais plus comment, je trouve plus le mot, mais bon, vous avez compris, une contamination de l'éprouvette et qui venait de leur faute, et du coup que finalement Oliver Dustin n'aurait jamais pris de cocaïne. Voilà, moi j'ai vu PJ un petit peu s'énerver contre le Times, parce que le Times a sorti directement l'affaire sans avoir justement le deuxième échantillon, sans savoir justement si c'était vraiment avéré, et c'est un petit peu dommageable pour l'athlète. Bon, c'est une faute du laboratoire français, c'est pas le souci, mais c'est un petit peu dommageable pour l'athlète puisque maintenant son nom a été associé à ça et on sait que c'est des histoires qui peuvent malheureusement rester qui peuvent peut-être un petit peu peser dans sa carrière. Je sais pas si vous voulez réagir un petit peu par rapport à cette histoire-là. Léna, si t'as suivi un petit peu l'histoire? Ouais, j'ai suivi un peu. Bah, comme tout le monde, j'ai vu un article pop-up et des notifications pop-up un peu de nulle part. Donc comme tout le monde, j'ai lu, je me suis dit, oh, mais comment ça se fait, Dustin, il est super jeune, de la cocaïne, c'est quand même hard. Je me suis tout de suite questionnée et on en a discuté avec un peu avec PJ sur ce que la cocaïne pouvait apporter en tant que dopage. Parce que y a deux solutions quand on prend de la cocaïne, soit c'est du dopage ou soit c'est une drogue récréative. Donc voilà, j'ai essayé de comprendre un peu ce qui s'était passé, mais ouais, assez choqué du truc. Et finalement, ouais, qu'on apprenne 24 heures après que c'était pas du tout, du tout le cas et que ça salisse autant l'image de l'athlète, c'est vraiment pas cool. Lui, il a dû en plus, il est en pleine prépa pour les jeux, il a dû sortir un communiqué de presse, etc. C'est vraiment pas cool pour un athlète qui se prépare. Bon, après, c'est des Times, donc voilà, pas attendre beaucoup de Times. Mais ouais, vraiment, vraiment pas cool cette histoire. Je réagis juste au message dans le chat. Salami Kitokyo qui nous dit que Sean Barber avait été pris pour de la cocaïne. Oui, c'est vrai, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a des athlètes qui ont déjà pris de la cocaïne dans l'histoire. C'est pas le problème, mais c'est plutôt que lui, il y est pour rien. Et que le laboratoire a bien dit en faisant une réanalyse qu'il n'y avait aucune trace de cocaïne dans ces échantillons. C'était simplement eux qui avaient contaminé l'échantillon. Et du coup, c'est vraiment malheureux qu'on ait collé ça à son nom, parce qu'on sait que ça peut rester, que ça peut faire fuir des sponsors, que ça peut lui coller à la peau, que peut-être si vraiment il perce, on dira, bah oui, mais lui, il prend des trucs, alors que bon, finalement, il n'y a rien sur lui.
Bon voilà, je sais pas Stéphane si tu veux réagir un petit peu sur cette histoire. Non, je la découvre et le seul souci pour moi, c'est la contamination de l'échantillon dans un laboratoire agréé. C'est là que le bât blesse et c'est là qu'il faut enquêter parce que normalement, ça doit être fiable, ça doit être sécurisé et là, c'est une vraie, un vrai problème Une vraie faute. Là-dessus, si avec tu les peux ajouter conséquences qu'on connaît. ouais, si tu Pardon? peux ajouter à cela le fait que, bah, ok, on peut blâmer la presse d'avoir leaké une nouvelle qui était bah, pas forcément vérifiée, etc. Que finalement, ça s'est retrouvé faux. Mais il y a un problème aussi au niveau du laboratoire et que bah, en 24 heures, ça a été réfuté. Donc, c'est pas normal que cette information, Elle est fuitée. elle est fuitée, sachant que la vérification était en cours et que 24 heures après, on est lavé son nom, quoi. C'est pas normal que ça sorte comme ça. Donc, il y a vraiment un problème aussi au niveau du laboratoire, quoi. Bah, le laboratoire qui va être enlevé des listes de l'AMA, hein, quand il y a des histoires comme ça, il sera enlevé des listes, donc il Ah va ouais, payer. on va perdre son agrément, ouais. Ouais, il va payer un petit peu cher, mais bon, en même temps, c'est quand même une très grosse erreur, et voilà, ça pourrait. Bon, finalement, ça lui coûte pas si cher que ça. Quoi, si, on sait pas, on verra les répercussions sur sa carrière, on sait pas, mais ça pourrait lui coûter très cher à l'avenir. Juste pour terminer sur cette histoire, DDA59, qui demande, Léna, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur les avantages de la cocaïne en termes de performance? J'ai vu que tu en avais un petit peu parlé avec PJ. Ouais, j'étais en train de marquer ça. Il y a la concentration qui est accrue. Il y a la prise de risque. On prend beaucoup plus de risques quand on est sous cocaïne, vraisemblablement. Une histoire de Résistance à la douleur douleur. aussi, ouais voilà. Ouais, résistance à la douleur. Après, bien sûr, bah, il y a les côtés positifs. La cocaïne, c'est super dangereux et c'est une drogue. Donc, il y a des problèmes. Il y a eu des problèmes d'addiction par le passé. Voilà, donc, c'était les principaux points. Ok, très bien. C'est bon pour ça. Mais pareil, ça je devais en parler avec PJ. Je sais pas si vous avez suivi cette histoire. Moi, j'ai eu un peu de mal à comprendre. Mais il y a un autre problème. Il y a une autre histoire cette semaine qui est ressorti par rapport à des histoires de dopage, encore une fois, malheureusement. C'est en Espagne, il y a pas mal d'athlètes qui ont un peu levé le ton et fait entendre leur voix pour un petit peu gueuler contre la fédération. Je sais plus exactement contre qui ils gueulent, mais en gros, en fait, il n'y a plus de passeport, il n'y a pas le passeport biologique en Espagne, ou en tout cas, il n'est pas appliqué. Et voilà, on voit des tweets de plusieurs athlètes espagnols qui ont demandé, je vais les mettre en plus grand. Bon, je parle pas très bien espagnol malheureusement, donc j'ai pas tout compris et j'ai pas vraiment trouvé beaucoup d'articles sur le sujet, mais en tout cas qui demande à ce qu'on remette en place le passeport biologique et surtout que des sanctions soient appliquées. On voit notamment Kevin Lopez quand même qui est assez connu, un demi-fondeur assez connu. Et voilà, les athlètes olympiques qui protestent contre l'absence de passeport biologique pendant le cycle de préparation pour Tokyo 2020. Aucun des deux cas qui ont été découverts en 2019 ont été sanctionnés et 6 sur 7 des cas qui ont été découverts en 2018 ne sont toujours pas sanctionnés. Donc voilà, là encore une nouvelle qui est pas vraiment rassurante du point de vue de la lutte anti-dopage. Si on sait qu'en Espagne et en plus voilà, il disait donc dans son tweet le journaliste qui disait en plus en ce moment il y a une grosse explosion des records en Espagne, il y a pas mal de records nationaux qui sont tombés et forcément les athlètes un petit peu demandent bah oui mais il y a beaucoup beaucoup de records qui tombent mais le passeport biologique est pas suivi, en tout cas il n'y a aucune sanction vis-à-vis de ça. Donc c'est vrai que je comprends que ça fasse faire les gros yeux à certains et que ça en inquiète pas mal en vue des Jeux Olympiques quand même. C'est un petit peu inquiétant cette histoire. Je sais pas si vous avez suivi Stéphane, Agnès, Sylvain, est-ce que quelqu'un avait vu ça ou pas du tout? Pas du tout. Non, ben voilà, moi Non, en c'est espagnol en plus. ouais, c'est Vincent qui m'avait envoyé ça. Et j'avoue que j'ai pas trouvé grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'articles qui sont sortis dessus, que des choses en espagnol. Mais en tout cas, voilà, les athlètes du coup qui demandent à. Voilà, ils demandent régulation du passeport biologique, ils demandent à ce qu'il y ait des sanctions quand on voit des choses un petit peu bizarres dans les passeports biologiques. Donc bon, c'est pas très rassurant à quelques semaines des JO en tout cas. Ils visent l'agence antidopage espagnole. Oui, voilà. Contre l'agence antidopage espagnole, mais oui, mais en tout cas, voilà. On espère que ça sera réglé, en tout cas qu'il y aura des sanctions peut-être a posteriori, je sais pas. Est-ce qu'en France, on est au courant des passeports biologiques qui sont un petit peu bizarres ou enfin parce qu'on n'en entend pas parler non plus? Je sais pas si. J'avoue que j'ai aucune info là-dessus, Stéphane ou Léna, peut-être. Non, Stéphane plutôt, peut-être, si tu sais. J'avais vu un truc de PJ là-dessus, mais je m'en rappelle plus. Vas-y, Stéphane. J'imagine Non, pas du tout. qu'il y en a dans tous les pays, mais au final c'est flou aussi ici, donc Non, mais c'est flou un peu partout, cette histoire de passeport biologique. ouais. Justement, il faudrait que je retrouve un PJ qui avait mis un message là-dessus. Je crois qu'il avait dit qu'il y avait eu un cas qui avait été condamné pour ça en France.
mais un seul cas, et que finalement c'est quelque chose qui est très très peu utilisé, le passeport biologique, qu'on voit pas mal d'anomalies, mais finalement ça va pas vraiment plus loin, et c'est plutôt que je crois que quand il y a des anomalies, peut-être qu'ils essayent justement après de choper les athlètes, mais pas directement via le passeport biologique. C'est vrai que je suis d'accord avec toi que c'est assez flou ces histoires de passeport biologique, mais bon. En tout cas là apparemment il y a eu 7 cas en Espagne en 2018, et 6 sur 7 qui n'ont pas été sanctionnés, donc ça reste inquiétant dans tous les cas. Et 1 sur 7 qui a été sanctionné, là aussi on sait pas pourquoi du coup, pourquoi il a été sanctionné par les autres. Mais bon, voilà, c'était juste la petite news que j'ai vue. Pour terminer avec mes actus de la semaine, aussi je sais pas si vous avez suivi ça, je voulais un petit peu qu'on discute de ça ensemble, parce que ça on peut ouvrir sur un petit débat. C'est Blanka Blažić qui a fait un podcast avec World Athletic, qui elle revient sur ses performances au 100 mètres, et elle dit qu'elle ne se pardonnera jamais d'avoir battu le record du monde à l'entraînement, puisqu'elle l'a déjà battu à l'entraînement, mais qu'elle a jamais réussi à le refaire en compétition derrière. Bon, on comprend que ça puisse foutre un peu les boules. Bon, Stéphane, Sylvain, vraiment, vous qui êtes entraîneur, est-ce que c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement? C'est vrai que moi, ça m'étonne, après, dans les courses, c'est peut-être moins le cas, mais peut-être plus dans les athlètes à concours, mais qui arrive assez régulièrement, des athlètes qui font des choses à l'entraînement, qu'ils n'arrivent pas après à refaire en compétition? Bah, peut-être, Sylvain, on t'a pas trop entendu, si tu veux commencer là-dessus. Bah, si tu veux, au 400S, c'est assez rare de battre. Là, c'est pour ça, sur les courses, je pense que c'est moins le cas, c'est vraiment plus quand même quelque chose qui est sur les concours, mais bon. C'est vraiment plus quelque chose de ouais, spécifique au concours. Oui, mais tu sais, tu dis ça, mais Agnès, tu me diras, mais moi, je me rappelle déjà avoir entendu ça, qu'apparemment, Marie Gaillot, donc Agnès, qui t'as quand même pas mal connue, qui apparemment faisait des choses à l'entraînement qui laissaient espérer des. Alors, elle se battait pas ses records à l'entraînement, mais des performances à l'entraînement qui laissaient espérer des bien meilleures performances que ce qu'elle réalisait finalement en compétition. J'avais entendu pas mal d'histoires là-dessus. Oui, ça. Ouais, j'en ai pas entendu parler, mais c'est vrai qu'il y a toujours des séances. Quand on fait des séances, on est super bien. Moi, cet hiver, j'ai fait des bonnes séances, et pourtant, j'ai fait une saison catastrophique. Des fois, ouais, on n'explique pas trop qui se passe malheureusement, mais Mais bon, battre un record du monde à entraînement, c'est quand même. Ça ne doit pas arriver tous les jours. Et c'est quand même un petit peu les boules, quoi. Je comprends qu'elles soient un petit peu déçues d'avoir jamais réussi à le refaire derrière en compétition. Stéphane, tu veux dire un mot là-dessus? non, c'est Sylvain qui allait parler là-dessus, mais je pourrais dire après Sylvain. Non, ouais, c'était juste. Ouais. Par rapport à ça, effectivement, on peut avoir des séances spécifiques où on est bon, ou des séances tests qui sont des références pour nous. Mais ça reste des spécifiques et qui sont pas comme l'épreuve, contrairement au concours. Donc tu peux effectivement te sentir très bon sur une séance spécifique ou sur une séance de vitesse où tu vas battre tes records à l'entraînement, mais ça sera pas l'épreuve, quoi. Ouais. Bon, Léna, du coup, je suppose que c'est pareil, tu bats pas tes records à 800 à Oui, l'entraînement. Ah oui, vas-y, moi je Stéphane. pense que. Attends, Stéphane, je lui avais dit qu'il parlait. Vas-y, Stéphane, si tu veux. Oui, non, mais la compétition, forcément, c'est avec des éléments extérieurs qui ne dépendent pas de nous et qu'on ne contrôle pas. Donc, c'est plus facile d'être bon à l'entraînement quand on connaît l'endroit, qu'on est dans son cocon, dans sa zone de confort, sans stress déjà, sans adversaire. Et surtout, bon, en général, on fait rarement la discipline quand on fait du 400A ou on va pas faire un 400A à fond à l'entraînement, c'est rare. Donc, bon, y a le contexte de compétition qui fait que les champions du monde de l'entraînement, on en a vu des tests à l'entraînement, souvent ils sont très bons, mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est la compète et point barre, quoi. Donc, Ah, donc... après, si elle a fait plus de... Vas-y, Si s'il te plaît. Blažić a sauté le record du monde en hauteur à l'entraînement, j'espère qu'elle a pris elle-même le décamètre pour mesurer derrière, que c'est pas son entraîneur qui l'a motivée et qui lui a fait croire qu'elle avait battu le record du monde pour la stimuler encore plus, la mettre encore plus en confiance, parce que j'ai vu des chronos à l'entraînement, moi, de gens, moi qui suis un maniaque du chrono, il y avait des gros écarts entre mon chrono et le chrono du coach que j'entendais, et bon, ça change tout, quoi. Juste pour revenir à ce que tu dis, Stéphane, du coup, tu dis que l'entraînement, c'est pas la compétition. Du coup, toi, t'es plutôt contre les athlètes qui sont qualifiés sur des perfs à l'entraînement et qui ne courent pas en compétition? Là, tu veux me faire dire ce que j'ai pas dit, puisqu'il y a eu des gens qui ont été sélectionnés sur des perfs à l'entraînement. Mais non, non, pour moi c'est pas évident de faire la transposition, parce que je sais pas ce qu'a fait Pierre Ambroise par exemple à l'entraînement, mais j'ai déjà fait moi quand je suis monté sur 400 et j'ai fait des trucs à l'entraînement sur 600 mètres. J'aimerais bien savoir ce qu'a fait Pierre Ambroise pour aller au jeu, parce que peut-être j'aurais pu me qualifier aussi sur 800 finalement. C'est une joke hein, bien sûr, mais bon, non, non, la vérité c'est la compète. Oui, mais c'est bon, ça va. Vas-y, Léna, ce que tu voulais dire.
Ah, moi, bah, Stéphane a dit tout ce que je voulais dire. Je trouve ça hyper nul. Oh, pardon. Mon table asie, je voulais dire ça. Enfin, la compète, c'est pas du tout pareil que l'entraînement. Mm. Le seul juge de paix, bah, c'est la compète. Mm. Et bah, c'est vrai que si tu prends 10 minutes de récup entre tes sauts et que c'est le coach qui mesure, c'est pas pareil que d'arriver sur un meeting où les sauts s'enchaînent et t'as déjà un bon concours avant d'arriver à ton record. Mm. Donc, ouais, je trouve ça un peu nul de sa part de dire ça. Je sais pas trop à quoi ça sert. Et ouais, pour le 600, je suis d'accord avec Stéphane. Mais je pense que si j'avais fait un 600, trop trop forte, mais par contre, finir 200 derniers mètres pour finir le 800, ça aurait peut-être pas été bien. Ça dépend en cours, c'est encore plus subjectif qu'en concours, mais déjà, ouais, en concours, ouais, j'ai pas beaucoup aimé apprécier ce qu'elle a dit. Surtout que ça fait partie aussi de la performance d'un record du monde, c'est d'être capable de le sortir justement en compétition. On a aussi vu beaucoup d'athlètes dans des courses qu'on savait qu'ils avaient le potentiel de battre un record du monde. Mais malheureusement, ils n'ont jamais réussi à le faire parce que peut-être pas les bonnes conditions, pas la bonne course. Voilà, le record du monde, ça reste très difficile à faire. Ça fait aussi partie de la beauté des records du monde. Je réponds à ce qu'il y avait dans le chat. J'ai vu que quelqu'un disait que la perf de la semaine pour lui, c'était Kipyegon sur le 1500 à Monaco. On n'a pas du tout parlé du meeting de Monaco, même si c'est vrai que c'était vendredi et du coup c'était dans la semaine. C'est parce qu'on a déjà fait une émission exprès vendredi soir pour tout débriefer du meeting de Monaco. Du coup, je vous mets le lien dans le chat si jamais il y en a qui n'ont pas vu, qui veulent revoir le débrief. Voilà, avec des chroniqueurs, on avait passé une bonne heure et demie à débriefer entièrement le meeting de Monaco. Donc c'est vrai qu'on n'en parle pas cette semaine, mais il s'était passé des très belles performances, on avait beaucoup de choses à dire. Voilà, je pense qu'on a déjà fait le tour un petit peu de ce qui s'est passé cette semaine comme actu, en tout cas de ce que j'avais sélectionné, des choses qui pouvaient être intéressantes dans le monde de la clé. Ça fait déjà 40 minutes, j'ai dit à Agnès qu'on l'a gardé à peu près une heure. Du coup, on va passer directement à la partie sur le 400 mètres haies, ce pourquoi vous êtes venus. Donc je vous propose qu'on silence directement et on n'a qu'à silencer en commençant avec Agnès. Agnès, moi j'ai préparé quelques petites questions pour toi, si ça te dérange pas, si t'es prête. Allez, vas-y, je suis là pour ça. Non, bah déjà tout simplement, forcément, moi je voulais savoir un petit peu pourquoi ce choix d'être passé sur 400. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête depuis longtemps? Est-ce que c'est arrivé comme ça peut-être dans l'hiver? Je sais pas, raconte-moi un petit peu pourquoi t'es monté sur 400 et comment ça s'est fait. Pas du tout, c'est pas du tout dans ma tête depuis longtemps, enfin depuis longtemps, ça fait pas quelques années, pas du tout, j'ai toujours dit que je ferais jamais de 400 haies, d'accord. Parce que j'aime pas justement le fait d'être calé entre, enfin de devoir caler sa course entre les haies, ça me paraissait, je sais pas, j'aimais pas du tout ça, et j'étais plutôt partie dans l'optique de, si je devais changer de discipline, de monter sur 800, parce que j'aime bien les courses stratégiques, c'est ce que j'aimais aussi dans le relais 4x4, de devoir se placer, enfin voilà, c'était plus un jeu, donc je m'étais toujours dit ça. Et après, dans ma tête, je savais aussi que j'avais déjà fait des 400 haies comme ça, juste pour aider aux interclubs, je sais même plus quand est-ce que c'était, je crois que c'était en 2015. 2013 2015. Et 2015. Il sait mieux que toi. Et je savais que j'avais fait des perfs qui me plaçaient pas trop mal et que j'avais vraiment pas du tout, enfin vraiment j'avais passé 3 heures à l'entraînement le jour de la semaine de la compète, donc voilà. Et du coup dans ma tête, j'ai réfléchi parce que sur 400 ça commençait à... Je commençais à en avoir fait le tour, je pense que je peux courir plus vite, mais bon c'est facile de dire je peux courir plus vite, voilà. Mais ça bloquait, enfin à l'entraînement ça se passe bien, mais en compète... pas du tout, et psychologiquement c'est devenu trop difficile. Je pense que si j'avais continué sur 400, je serais tombée dans une spirale un peu négative et ça aurait été vraiment pas bien pour moi. Donc du coup j'ai décidé l'été dernier, après ma saison estivale, de me lancer sur autre chose. C'était déjà prévu après l'été, je faisais ma saison hivernale sur 400, mais pour préparer le 400 haies l'été. Voilà, donc c'est venu un peu comme ça, surtout pour me recentrer sur moi aussi, parce que c'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours été Agnès, la bonne relayeuse, qui est là pour l'équipe, mais pourtant j'ai jamais fait des perfs incroyables en individuel, quoi, et voilà, mon record il datait de 2015 et j'avais besoin de penser à moi, de pas penser au relais.
et ouais, de me recentrer sur moi. Voilà. Même si le relais, ça m'a apporté beaucoup, hein, vraiment, et j'aimerais bien en faire encore partie, hein, c'est sûr. Mais je voulais que ma priorité, ce soit quelque chose d'individuel. Et justement, du coup, je voulais me détacher du 400 et passer sur autre chose. Ok, et justement, du coup, tu es plutôt satisfaite pour l'instant de ta première saison. Voilà, on l'a dit, 3e place au Championnat de France, 57-16, c'est une première saison pour se mettre dans une nouvelle discipline. Voilà, c'est quoi ton ressenti pour l'instant, toi, sur ta saison, du coup? Bah ouais, franchement, je suis contente. C'est sûr que j'aimerais bien passer sous les 57, histoire de, tu vois, enfin, je pense que c'est, Ouais, ça ça passe un autre montre, cap. ouais, ça passe un cap, même si là, déjà, c'est très bien. C'est plus difficile que ça n'y paraît, le 400. C'est vrai qu'avec la base que j'ai sur le 400, même si ça fait longtemps que j'ai pas battu mon record, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, Ouais. non, moi je perds beaucoup de temps, je perds beaucoup de temps sur l'approche de la haie, je maîtrise pas encore Ouais. l'obstacle, donc même si c'est beaucoup moins pire que ce que les gens attendaient, je pense. Justement, Sylvain avait un petit peu analysé ta course des chevaux de France. Je crois que Sylvain, tu disais que c'était plutôt très propre pour une nouvelle arrivante sur la discipline. Bah, c'est déjà une course bien construite. Voilà, elle commence en 16, elle finit en 17 sur sa bonne jambe. Voilà, c'est bien construit. Donc on voit qu'il y a un travail derrière. Effectivement, ces approches, elles sont. Non, mais c'est pas si mal, quoi. Non, mais bien sûr. Non, mais bien sûr, il y a encore beaucoup des Effectivement, choses à bah, ça travailler, tombe à pic. heureusement. Donc elle va encore progresser, c'est bien. Ouais, complètement. Quoi, Agnès, quoi, tu le sais très bien que de toute façon, il y a encore des choses à améliorer. Et tant mieux, ce que je disais, tant mieux que tu vois encore des gros points d'amélioration. C'est plutôt bon signe. Voilà, moi, justement, j'avais une question par rapport à l'année olympique, que tu étais une prétendante, justement, pour faire partie de ce relais. Est-ce que tu t'es pas dit à un moment, bah, peut-être je vais me tirer une balle dans le pied avant les JO, bah, là du coup tu t'es pas qualifié aux Jeux Olympiques. C'est un peu arrivé ça quand même dans ton esprit, ou justement tu t'es dit non, tant pis, le relais maintenant c'est derrière moi, et voilà, parce qu'il y avait quand même les Jeux Olympiques quoi cette année. Ouais. Non, bah, en fait, j'espérais que en passant sur 400 haies, en me détachant du 400, ça me débloquerait aussi sur 400. J'avoue que, mais sauf que non, ça serait trop facile et ça s'est pas passé comme ça. Et ça a été dur, hein, quand dans ma tête, je me suis dit, c'est bon, je vais pas aller au jeu, je vais plus réessayer de courir de 400, parce que j'ai couru à Montreuil, c'était catastrophique. J'ai fait un chrono que j'avais fait le samedi à l'entraînement, facile. Et là, on me dit, tu cours un 400 en compète, j'arrive pas. Donc, bref. Du coup, c'est à partir de Montreuil que je savais que ben, le relais, il fallait vraiment que je le laisse derrière moi et que, voilà, que je me focus sur ma saison individuelle sur 400 haies. Et ça a été dur. Franchement, c'était dur. Ça m'a mis un coup, vraiment. Voilà. Mais parce que surtout que en 2016, j'étais remplaçante sur le relais. Et du coup, j'avoue que j'aurais bien aimé prendre ma revanche et être titulaire. Mais là, vu comment c'était parti, même si par miracle j'arrivais à me qualifier, j'aurais pas été sereine, parce que je pense que j'aurais pas fait partie de l'équipe titulaire. J'aurais été remplaçante et j'avais pas du tout envie de vivre ça une deuxième fois. Donc, voilà, je me suis dit, je préfère faire ma saison, progresser, préparer la suite pour la saison prochaine, et voilà, je laisse ma place aux autres. Est-ce que tu t'es aussi dit à un moment, parce qu'on l'entend parfois, notamment avec le steeple, je sais que Léna avait posé la question la dernière fois à nos steepleurs, de dire justement peut-être le 400 haies c'est moins relevé, avec ce que je fais sur 400 plats, j'aurais peut-être plus de trucs à jouer sur 400 haies, ou non, tu t'es juste dit j'ai envie de voir autre chose? Bah si, forcément, bah, on y pense. En vrai. Parce que si on fait la transposition, on se dit, ah je fais 52-20, les filles elles perdent entre deux, à peu près 2 secondes, 2 secondes 5, bah voilà, si je fais 54-5, bah c'est plus la même chose finalement sur 400 que sur 400. Après bon, c'est pas aussi facile à faire qu'à calculer, mais est-ce que justement c'était ça un peu ta réflexion ou pas du tout? Non, 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 c'était pas ma première réflexion. C'est sûr que ça en fait partie, hein. Enfin, je vais pas mentir. Enfin, ouais, en vrai, ça en fait partie, mais c'est pas du tout le premier truc que je me suis dit. C'était vraiment, moi, je voulais vraiment mettre le 400 derrière moi. Et limite là, même cet hiver, je suis même pas sûre de courir un 400. En fait, j'ai Fait du envie qu'on 800. m'oublie sur. J'ai envie qu'on m'oublie sur 400 et que quand je revienne, voilà, je suis plus, voilà, je suis plus là. Enfin, j'étais plus là et voilà, si je reviens. Léna, t'es pas loin, t'es en Bretagne, elle est à Nantes, Agnès, vous pouvez un peu faire un peu de 800 ensemble pour lui montrer un peu sur l'hiver
Ça lui fera du bien pour la caisse pour l'été. Ça te dit pas, Agnès? Bah si, carrément. Ça va, ça te dit? Non, mais en plus, je pense que... Il s'entraîne avec moi, donc... Tu oui, Chana, en plus. Okay. Ah ouais, cool. Non, mais en plus, vraiment, je pense que je vais faire une saison peut-être sur 800 cet hiver, parce que j'aime bien ça, et que... Voilà. Enfin, je vais mixer un peu tout. Non, mais je suis pas prête encore à revenir sur 400, malheureusement. Donc, Stéphane... C'est la pire à dire que t'aimes bien le 800. Enfin, 400 et 800, tu fais genre le pire de l'athlé, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça. Mais Stéphane, tu viens de dire que t'aurais pu te qualifier aux Jeux Olympiques sur 800, donc fais pas de nom de la tête. Non, mais quand j'ai fait ça, quand j'aurais pu me qualifier sur 800 au jeu, il faut savoir que cet hiver-là, j'ai fait 6,66 au 60 mètres et que j'étais sur le podium des France sur 60 mètres. Donc à l'époque, c'était la cinquième perf de tous les temps. Et si j'ai envie de donner un conseil à Agnès, parce que je trouve qu'elle est audacieuse et courageuse de changer, j'entends quelque part que c'est presque un choix. Peut-être je me trompe, Agnès, et ne le prends pas mal, mais par défaut, parce qu'il y en a ras-le-bol du 400. Mais si je dois te donner un conseil, c'est vraiment l'hiver prochain de faire du 60 haies, du 60 plats, du 200, travailler ta vitesse, ta technique. Je n'ai pas vu ta course, j'entends Sylvain qui dit que tu as fait 16 au début. Donc ça veut dire que tu passes des deux jambes et à pleine vitesse. Moi, je n'étais pas capable de le faire et je l'ai passé une fois ma mauvaise parce que j'ai fait pendant 16 ans du 110 avec la même jambe et passer l'autre jambe à l'entraînement, pas de problème. Mais en compète, c'était juste impossible. Donc je ne l'ai passé qu'une fois. Donc Agnès, oui, fait de la caisse avec Léna sur 800. Et quand je suis passé sur 400, et les gens croyaient que je faisais du 800, donc je te dirais pas non. Mais en compète, fais de la vitesse, développe ta vitesse. On va en parler tout à l'heure avec Sydney McLaughlin. Elle fait 12,65 sur 100 mètres haies. Donc voilà. Ouais, je suis loin du compte. Oui, mais ça se travaille, ouais. Ça se travaille, justement. Ouais, non, travailler. Ouais, après, moi, je commence à être... je commence à faire partie des meubles, hein, non. Non, mais on m'a toujours dit que je devais m'améliorer en vitesse. Et j'avoue que j'ai toujours été la moins bonne des courses de 400 sur 200, sur 100, enfin bref. Et ma qualité, c'est la caisse. Sauf que... Tout le monde m'a toujours dit ça, tout le monde m'a dit « Ouais, faut que tu bosses le 200, je vais travailler, mais j'arrive pas à aller plus vite. » Donc voilà, je vais revenir, je pense, sur mes qualités, même si je vais continuer à travailler la vitesse, c'est sûr. Mais c'est sûr que le 200, ça me mettait plus un peu comme le 400, à vouloir essayer d'en faire tout le temps et aller plus vite. J'ai jamais réussi à aller plus vite et je pense que ça a été plus négatif pour moi qu'autre chose. Mais peut-être par contre du 60 haies en salle, comme disait Stéphane, c'est vrai qu'on en voit finalement des défis sur 400 haies qui font un peu de haies hautes et des gars aussi. D'ailleurs, c'est Wilfried Apio qui a fait cet hiver. Ouais, souvent on le voit l'hiver, il m'a fait même des finales de France Elite. D'ailleurs, il y avait même une fois où il s'était trompé, il avait fait même mauvaise jambe. Je sais plus, c'était il y a 2-3 ans. Il fait la série des France Elite sur sa mauvaise jambe parce que. Il se trompe au départ, il sort mal de son bloc et du coup il fait toute la série sur sa mauvaise jambe. Bon, il a deux très très bonnes jambes, Wilfried, c'est pas le cas. Ouais. Je sais pas ce qu'en pense Sylvain. C'est pas mal. Je me souviens pas de cette anecdote. Un 60 et mauvaise jambe, sur des 1m6, c'est quand même pas mal. Hein. Il faut être à l'aise techniquement. Mais bon, la mauvaise jambe ne sert à rien sur 400 et puisqu'on le voit, il n'y a pas besoin d'avoir une mauvaise jambe pour faire un record du monde, on peut tout faire sur la même jambe donc. Donc finalement, ça ne sert à rien sur 400. on en parlera. On en parlera après avec l'exemple de Warhol. Je ne sais pas du coup si vous avez d'autres questions, vous, pour Agnès, Léna, ou quoi, si tu as des questions pour Agnès, peut-être. Je ne sais pas si on t'a beaucoup entendu, Léna. Bah, moi, je voulais savoir, là, tu t'approches de la trentaine, il me semble. Je voulais savoir jusqu'à quand tu voulais continuer à être de haut niveau. Et ouais, c'était ma question. Et je te trouve hyper courageuse d'entamer ta reconversion, surtout qu'elle est réussie. Donc ça m'impressionne. Et je voulais savoir quels étaient tes plans à court terme et moyen terme. Dans ma tête, je me suis dit que j'irai jusqu'à Paris 2024 et voilà. Mais bon, après, j'attends de voir les années qui vont se passer là, d'ici Paris. Mais en tout cas, c'est mon objectif à long terme. Paris 2024 sur 400 et du coup. Tout à fait. Ou sur 800. À voir.
des mauvaises idées comme ça. Mais elle a dit qu'elle avait beaucoup de caisses. Moi, je donne l'exemple. Ouais, très bien. On en a parlé pas mal de fois dans cette émission. Myriam Saoun, qui était une ancienne heptathlète, qui avait fait ensuite du 4H en moins de 60 secondes, et qui cette année est passée sur 800, et elle réalise quand même 2,01 pour sa première année sur 800. C'est, ça reste... Voilà, s'il y a des exemples, ça, ça marche aussi. Donc voilà, Agnès, si jamais t'as encore envie de changer, tu peux encore monter. Les courses de 4H, normalement, sont assez costauds sur 600 mètres. Ouais. Donc, sur 800, ça passe bien. Ouais, normalement. Harald Schmidt était recordman d'Europe du 400 haies, et il a couru une 44-89 sur 800. Hein. Donc c'est pas incompatible. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre dont on peut parler dans le style cette année, c'est le Polonais Dobek. Exactement. Ouais. Reconversion plutôt pas mal réussie. Je sais pas si au départ c'était vraiment dans son idée. Je sais pas si Sylvain, t'as des anecdotes là-dessus ou pas. J'ai l'impression qu'il avait fait un petit peu la salle. Bah, comme beaucoup de coureurs 400 et, il n'y a pas de 400 en salle. Du coup, il avait fait du 800. Ça s'est plutôt très très bien passé. Il fait les Europes et maintenant, bah, là, il a refait la saison sur 800. Une 43. Il n'arrête pas de nous étonner. Je sais pas si c'était prévu qu'il monte sur 800 ou pas, mais en tout cas, la reconversion est vraiment réussie. En fait, il s'attendait pas à faire à être aussi bon au 800. Il a gagné les championnats d'Europe quand même. A gagné les Europes, de tête, c'était sa troisième course. Ouais, voilà. C'est ça. Il était jusqu'au début de la saison estivale, il n'était pas sûr de ce qu'il allait faire cet été. Et je crois qu'il a fait aussi un 400 haies parce que il a dû faire un ou deux 400 haies cet été parce que il savait pas. Bon, là, je pense qu'il. Il sait maintenant. Il paraît. Je pense qu'il sait maintenant. Ah, surtout qu'il a plutôt le bon profil pour un coureur de championnat. On verra ce que ça donne à Tokyo, mais il a quand même une bonne pointe de vitesse. Et donc il pourrait créer la surprise encore une fois. On nous dit Bolt qui a aussi fait un 800. Oui, Usain Bolt qui a couru un 800 cette semaine, mais il est plus trop en forme. notre ami Usain, il a fait 2,43, je crois. Bon, c'est pas exceptionnel, mais bon. Je vais répondre à PDA59, oui, Victor Coureleur. Ah, je me rappelle avoir fait un France Junior, je crois, contre Victor sur 800, justement. Bon. Même cet hiver, oui, il a couru sur 800 mètres, ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Je voulais quand même aussi un petit peu faire le parallèle à Agnès avec Stéphane, puisque Stéphane, on peut aussi dire qu'il a fait une espèce de reconversion en passant du côté du Sandier, comme je disais, puis ensuite sur 400 et. J'en avais parlé un petit peu avec Stéphane avant l'émission, qui m'a dit non, c'est pas une reconversion, c'est pas exactement ce qu'on croit. C'est-à-dire, Stéphane, explique-nous un peu plus... Comment ça s'est fait ce changement? En fait, pour moi, la compétition, c'est des objectifs à atteindre. Et faire des choses, parce qu'on s'ennuie sur un peu le profil d'Agnès que j'entends, si je comprends bien, c'est marre du 400, il faut faire autre chose. Moi, c'était un vrai challenge que je m'étais lancé au départ, d'être, après avoir été champion d'Europe sur le 110 mètres haies, d'être un jour champion d'Europe sur 400 mètres haies, parce que c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Donc, c'était un vrai challenge. Quand on avait discuté cette semaine, Étienne, c'était surtout sur le fait que j'étais devenu un coureur de 110 mètres haies parce qu'à un moment donné de ma carrière, quand j'étais junior justement, j'étais plutôt perchiste et hurdleur, mais j'étais perchiste dans l'âme. Et à l'époque, je faisais 5 mètres, mais pour être en équipe de France, il fallait battre Vigneron, Collet, Abada et compagnie, il fallait sauter 5,70. Alors que sur les haies, j'étais champion de France junior, j'étais champion de France chez les seniors en 83 et que j'ai eu la chance de faire les premiers championnats du monde. Donc ça a été un choix entre guillemets aussi dicté par les résultats plus que par un choix de cœur, puisque j'étais perchiste vraiment, c'était la discipline que je préférais. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important d'avoir un véritable objectif et de se donner les moyens de décrire ce qu'il est nécessaire de faire pour l'atteindre et puis après de se construire par rapport à cet objectif. Donc c'est pour ça que j'insiste avec Agnès. Moi, j'avais regardé un petit peu son profil, et notamment, elle avait fait 2,400 haies avant cette année aux interclubs, j'ai supposé, et ça doit être ça, en 2013 et 2015. Et par rapport au chrono que tu fais en hiver et en été, il y a toujours un écart en moyenne d'une petite seconde entre tes chronos d'hiver sur 400 plats et les chronos d'été, avec des fluctuations. On a eu jusqu'à 1,85 seconde d'écart. Et si je me projette, moi, sur Paris, justement, je pense que tu avais 6 secondes d'écart sur tes 6 secondes et demie d'écart sur tes 400 plats, 400 haies en 2013 et 2015. Aujourd'hui, tu es à 3,26 par rapport à ton chrono de cette année. Donc, ça veut dire que l'écart entre le plat et les haies diminue et que 55, 40 qui sont les minima pour aller
à Tokyo cette année, bah, si tu retrouves ta vitesse de base sur 400 ça, et tu progresses sur les haies, c'est pour ça que je t'invite vraiment à faire de la vitesse sur les haies et spécifique sur 400 haies. Moi, je faisais des 150 ou des 200 haies à fond, mais avec ma foulée de 4H, mais par contre en survitesse, et aussi de travailler ta technique sur le 100 mètres haies ou le 60 mètres haies pour des deux jambes, pour vraiment avoir cette vitesse de base qui te permet d'avoir de l'économie de course et de réduire ton écart. Il est à 3,26 aujourd'hui, de le réduire à 2,5, peut-être 2 secondes si ça se passe bien, si techniquement ça se passe bien, mais déjà 2,5 sur ton niveau de 400 haies habituel. Tu peux envisager de faire les minima pour les Jeux de Paris, quoi. Donc, mais faut mettre tous les atouts de ton côté. Il faut pas y aller à reculons. Oui, j'en ai fait. Je progresse pas. Le 200, c'est un peu comme le 400. Je pense vraiment. Et on a des exemples aujourd'hui avec Warhol sur 400 plats ou McLaughlin qui battent les records du monde. Et McLaughlin en particulier, c'est un avion de chasse sur la vitesse, en vitesse, quoi. Sébastien n'a pas, Sylvain n'a pas réagi tout à l'heure là-dessus. Moi, je suis du terrain et je suis entraîneur. Sylvain, il a une grosse expertise du 4H. Et moi, de tout temps, j'ai vu des Français monter sur 400 parce qu'ils n'étaient pas bons sur 100 mètres et sur 200. Et en général, ils sont assez bons sur 400, mais ils ne sont pas bons. Et les gens qui ont été vite sur 400, ils étaient vite sur 200 ou ils étaient vite, même très vite pour certains sur 100 mètres. C'est rare. On voit chez Curley cette année au plus haut niveau mondial, mais. Si on ne va pas vite, c'est difficile d'aller vite sur 400 et 400S si on ne va pas vite sur le 200 au moins, quoi. Sylvain? Non, mais le 400 est comme le 400S, c'est forcément ça a croisé des chemins de tout au niveau énergétique. Voilà. Donc, effectivement, tu peux pas faire un pas sur la vitesse, mais Agnès, elle a pas tricoté pendant ces quelques années là, elle s'est entraînée quand même en vitesse. Hein. Voilà, mais c'est pas comme si elle avait rien fait donc. Ah, je dis pas qu'elle a rien fait. Mais là aujourd'hui, elle fait du 400 haies. Il faut remettre le tablier sur les épaules et remettre son ouvrage sur le métier parce que ça passera par de la technique et je pense, j'insiste là-dessus, je pense par de la vitesse. C'est ma perception du 4H, quoi. Agnès, peut-être tu veux répondre quelque chose quand même. On parle de toi sans qu'Agnès parle. Non, j'entends, non, mais c'est intéressant. Enfin, voilà, moi, je prends, de toute façon, c'est vraiment ma première année de débutante, quoi. Donc, voilà, je sais qu'il y a plein de choses sur lesquelles je dois progresser. Je sais que la vitesse, je vais continuer à la travailler, c'est sûr, hein, mais je vais pas non plus me bloquer dans le schéma où il faut absolument être ultra rapide pour parfait, quoi. Enfin... Non, après, il faut voir ce qui marche pour Non, mais toi. bien sûr que si. Oui, voilà, c'est ça, en fait. Je veux pas. Il y a un moment où on s'était dit, vas-y, faut vraiment que je progresse sur la vitesse. Et au final, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc voilà, je vais faire au mieux. Enfin, on va faire au mieux avec mon entraîneur. Mais en fait, dans mon esprit, ça a toujours été, ben voilà, je vais moins vite que les filles sur 200, donc ben du coup, je vais aller moins vite sur 400. Mais du coup, j'ai plus envie d'être dans ce schéma et je veux faire mon chemin avec mes qualités aussi. Et j'ai une petite question, Agnès, parce que voilà, là, tu fais une première saison sur 400 haies, mais vu ta technique à l'entraînement, t'as toujours fait un peu de haies, au moins des gammes sur des haies ou pas du Pas du tout. tout, non, pas du tout. D'accord. Vraiment, non, pas du tout, du tout. Ah, tant mieux. C'est plutôt bon. Quoi. Ça a l'air d'être plutôt positif du côté de Sylvain s'il dit ça. C'est qu'elle a plutôt une belle technique, Sylvain, c'est Ouais. ça? Bah ouais, pour quelqu'un qui débute, c'est bien. Ouais, parce qu'on en a vu des filles qui allaient vite, Marie-Josée Pérec, Pareil, hein, notamment, ouais. c'est un avion. Et si tu regardes le temps sur le plat léger, il y a 5 secondes d'écart, donc tu as dépassé ce cap. Par contre, c'est vrai que le 400, c'est une course que tu n'aimais pas au départ parce que tu étais contrainte avec les haies, mais c'est une course intelligente que. Et quand on voit la reconversion de Privalova, si tu veux un bel exemple, championne olympique en 2000, elle a dû faire 10 ou 15 courses avant d'arriver au titre. Et c'est simplement, elle maîtrisait parfaitement le franchissement, elle maîtrisait parfaitement son contrat. Et elle a fait une reconversion pour moi qui est la plus belle reconversion sur le 400 et quoi.
Bah, mais c'est vrai que vraiment j'aimais pas du tout, et finalement le fait de devoir se caler entre les, et bah c'est mon challenge en ce moment. Là j'essaye de travailler justement pour avoir une foulée de moins, plutôt pour l'année prochaine du coup, mais c'est intéressant justement, ça me relance, ça me redonne des objectifs, et c'est bien. Quand tu dis une foulée de moins, tu veux partir en 15? Enfin, ouais. Ouais, c'est ça. En vrai, je m'y connais pas, mais parce que aux France, j'avais pas du tout de schéma. Hein. Je suis partie. Ah oui. Okay. Ah ouais, non, j'avais pas encore. Bon, ça veut dire que le chrono peut encore bien descendre alors. Bah, non, en vrai, part sans en schéma. Vrai, c'est vrai que au final, ma course, elle s'est bien passée. Enfin, elle s'est bien passée. Ça a été plutôt lisse. Sinon, j'aurais pas fait ce chrono-là. Hein, mais parce que sur toutes les autres, il y avait vraiment trop d'erreurs. Mais là, ça a été plutôt lisse. Et voilà, mais. Il y a rien de prévu quoi. Je sais pas quelle jambe je vais passer à chaque haie, quoi. Bon, ok. D'accord. Ça va falloir le construire. et au France, tu fais série finale avec le même contrat, aux élites. Ouais. Oui, aux élites. Non, 16 pas à la du 4. Tout. Non. Je sais plus ce que j'ai fait en série, mais j'ai fait un peu n'importe quoi, je crois. Et je suis pas passé de la même jambe sur la première, il me semble. Okay. Et t'as deux très bonnes jambes, du coup, t'es pas gêné? T'as pas une... La mauvaise jambe te gêne pas? Bah, les deux me gênent pas. En fait, je pensais que ma bonne jambe, c'était ma bonne jambe, et finalement, elle est plus mauvaise que celle que je pensais être mauvaise. Ça arrive souvent, par exemple. Ok. Bon, mais du coup, c'est déjà un avantage. Parce que si tu pars sans schéma et que t'as qu'une jambe, bon, là, ça devient tout de suite plus compliqué, mais bon, là, déjà, ça va mieux. Bon, Agnès, si tu veux y aller, voilà, on t'a déjà gardé un peu plus d'1h10. Y a pas de souci, je crois. En plus, il y a PJ qui va nous rejoindre. Il m'a envoyé un petit message pour me dire qu'il allait arriver. Agnès, merci d'avoir été là. Voilà, on te libère si tu veux, on va continuer. Mais c'est comme tu veux, Agnès. Ouais, non, je vais y aller. Ouais. Pas que je me couche trop tard, ce soir, il faut que j'aille manger. Non, mais c'est pour ça, t'inquiète. On en avait parlé avant, donc il n'y a pas de souci. Donc merci en tout cas, Agnès, d'avoir été là. C'était cool et on va suivre ça avec attention dès ce week-end et surtout dès la saison prochaine avec beaucoup de nouveautés qui arrivent pour toi. Et je pense que les chronos vont encore descendre, comme disaient Stéphane et Sylvain. Donc on va suivre ça avec attention. J'espère. Bah, merci de m'avoir reçu. Merci à toi d'avoir été là. Salut, Agnès. Salut. Salut, Agnès. Hop. Et pour préciser, il y a Juju qui précise, ma mémoire me fait défaut, mais c'est même 6 courses qu'avait fait Privalova pour faire le titre olympique, donc c'est encore plus extraordinaire. Je rechange les noms parce que vous n'êtes pas du tout aux bonnes places là. Léna ici, et Sylvain, non ça c'est Stéphane. Là-haut, non ça c'est moi. Ça c'est Stéphane. Hop, c'est bon, je l'ai trouvé. Hop, le temps que PJ nous rejoigne, je ne sais pas si PJ nous entend, il a dit qu'il écoutait et qu'il allait nous rejoindre. En cours, qui nous apporte un peu de silice, son expertise sur le 4A. Et on lui demandera si jamais Quentin fait plus de 80 mètres à l'entraînement, comme tout à l'heure on parlait de Blanka Vlasic qui battait le record du monde à l'entraînement. Il a peut-être battu le record du monde. Hein. Peut-être. on verra quand PJ nous rejoint. Bon, on va se lancer directement dans les records du monde. On va peut-être attendre PJ. Moi j'avais quand même quelques questions. Ah bah! Si jamais Quentin fait plus de 400 mètres à l'entraînement. Eh ben PJ, rapide. Tout à l'heure, on parlait de Blanca Vlasic qui va te rencontrer moi après. Salut PJ, ça va? Ouais. Bonjour à tous, désolé. Et non, t'inquiète. La course toute la journée, oui, voilà. Mais j'ai vu que Agnès nous a parlé de sa saison très intéressante et tout ça. Et voilà, donc j'ai juste écouté la fin, j'ai pas pu voir le début, mais je suis content de vous voir tous ce soir. Bah merci d'avoir été là. J'ai expliqué voilà, que tu étais dans les derniers réglages avec Quentin. Justement, aussi, vous allez faire les valises. Tu pars quand Vous partez quand là pour Tokyo? Par lundi soir. Lundi soir? Ouais. Ok, ah ouais, donc ça se prépare vraiment. Du coup, t'as pas vu le début? Je reviens juste sur une actu parce que j'ai une petite question à te poser, PJ. On parlait tout à l'heure de Blanka Blažić. Je sais pas si tu l'as vu, le podcast qu'elle a fait avec World Athletics, dans lequel elle dit qu'elle a battu le record du monde à l'entraînement et que du coup, c'est un des regrets qu'elle n'ait pas réussi à le refaire ensuite en compétition. On a un petit peu discuté de ça, justement, des athlètes qui sont meilleurs à l'entraînement, en tout cas qui battent des records. On voulait savoir, est-ce que Quentin il fait plus de 85 mètres à l'entraînement du coup? Bah, contrairement à la hauteur, je pense que. Il y a plus une dimension psychologique ou peut-être qu'elle a voulu mettre... Enfin, je ne sais pas quelle barre d'ailleurs elle a passé, mais peut-être choisir de mettre 2,10 au marteau, bah, ça tombe là où ça tombe quand on ne choisit pas. Mais on sait que le record du monde, en fait, entre
Dans le milieu, on sait que Litvinov a fait 87,30 m 2 semaines avant les championnats d'Europe de Stuttgart, où Sedic fait le record du monde. Voilà, et en fait, Sedic a dit que ben, dans mon groupe d'entraînement, il y a un mec qui vient de faire 87,30 m. J'ai pas droit de dormir, quoi. Là, je sais où est mon adversaire. Et donc, Litvinov fait 85 à Stuttgart et Sedic. Il s'est dit qu'il n'avait fait pas plus de 83 mètres à l'entraînement cette année-là. Donc comme quoi... Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui compte, ouais. C'est de réussir aussi à le faire en compétition. Ça fait partie aussi de la performance, ouais. C'est de le sortir au moment où ça compte vraiment. Donc on était sur le 400 haies. Maintenant, on va parler un petit peu des 400 haies, notamment des deux records du monde. Ce que je disais cette année, pour les fans de 400 haies que nous sommes, en tout cas Sylvain, que Sylvain et moi sommes, je pense que tout le monde ici aime bien le 400 quand même, mais bon bref. C'est quand même une très très belle saison avec déjà deux records du monde. Donc, on le rappelle, Sidney McLaughlin 51,90, Castan Warhol 46,70. Je fais le tour de table. Lequel des deux records du monde vous impressionne le plus? Vous me dites pas pourquoi, vous me dites juste le nom et ensuite on en débat. Stéphane, tu commences. Castan ou Sidney? Sidney. Sylvain? Non, Castan Warhol. PJ, vas-y. Warhol, mais franchement je sais pas pourquoi. Léna, toi c'est qui t'impressionne le plus? Warhol. Ok, bah on va faire un petit duel Stéphane contre Sylvain. Vas-y Stéphane, pourquoi toi c'est plus Castern, tu m'as dit? Oui, plus Castern. Pourquoi c'est plus Warhol qui t'impressionne, Stéphane? C'est l'inverse. Ah bah non, pourquoi c'est plus Sydney alors? Excuse-moi Stéphane, pourquoi c'est plus Sydney qui t'impressionne du coup? Bah parce que Warhol c'était entre guillemets presque vendu d'avance. Depuis 2 ans on attendait ça, qu'il y avait moins de surprises, alors que Sydney c'est la jeune qui monte, on la voit monter depuis Rio, et là elle a quand même sorti une course assez exceptionnelle pour un record du monde prestigieux, parce que c'est la première femme à moins de 52 et face à l'ancien recordman du monde aux sélections américaines. Donc Il y avait un vrai enjeu, il y a eu un vrai impact, et voilà, je suis bluffé par les deux hein, en l'occurrence, hein, mais voilà, c'est juste aussi pour mettre en avant le 4H féminin, parce que il est en pleine ébullition là, et il y a Ball qui arrive à grandes enjambées également derrière, donc ça va être sympa. Grande, c'est le cas de le dire, oui. Sylvain, toi, pourquoi plus Castan, du coup? Bah, parce que c'était le record du monde sur piste le plus ancien, ouais, c'est vrai. 28 ans. Donc voilà, c'est voilà. Et en plus, voilà, je pense que ça peut encore descendre, mais voilà. Mais c'est surtout parce que c'était le grand record du monde le plus ancien, 28 ans, c'est incroyable. Dans le chat, il y a quelqu'un qui nous dit que Warhol tape le record du monde d'un extraterrestre, alors que McLaughlin tape un record du monde qui était loin d'être optimal. Est-ce que vous rejoignez cet avis-là? Le 400 est féminin qui est un peu plus en retard au niveau des performances, qui était plus en retard en tout cas que le 400 est masculin? Sylvain, peut-être. Ouais, alors c'est ce qui se dit habituellement, c'était que le record du monde de 400 n'était pas énorme. Enfin bon, il y a quand même quelques filles qui s'y sont attelées sérieusement, donc ouais. Je sais que PJ t'avait mis un truc là-dessus sur Twitter justement, où tu disais qu'il y a déjà des filles peut-être dans l'histoire qui auraient pu courir plus vite, mais c'est vrai qu'à l'époque on faisait pas trop de 400 et c'était quelque chose comme ça, non PJ? J'avais ressorti un article de 95 de Trackstat où il disait que les 51... pouvait tomber éventuellement en 95 parce que Marie-Jo Pérec avait annoncé qu'elle faisait le 4H, et donc en fait ils avaient calculé toutes les, je sais plus, les 30 meilleures mondiales de l'histoire avec leur temps sur 400 et sur 400 haies. Ils avaient calculé une différence de 2,03, voilà, c'était juste en une moyenne, ouais. Comme ça, une moyenne quoi, mais en sachant que ben c'est rare d'être à la fois hyper en forme et prêt en compétition et donner le meilleur de soi-même sur les deux épreuves, donc on sait jamais trop. Quel est le vrai niveau des athlètes? En fait, il y a deux choses. Tu prends des coureuses de 400 haies, elles vont faire un 400, pas forcément quand elles sont en forme, parce que quand elles sont en forme, elles font du 400 haies. Donc voilà. Elles vont avoir une perf sur 400 en début de saison, en général, qui n'est pas spécialement représentative. Et puis, quand tu prends le cas de Marie-Josée Pérec, par exemple, ce n'est pas le même cas. C'est une course de 400 qui se met sur 400 haies. Donc, il y a toutes les difficultés de technique et d'approche de haies et d'intervalle qu'elle a à apprendre. Quoi. Donc, c'est une conversion de plus de 2 secondes. Ouais, ça marche pas à tous les coups. Ouais. Voilà. Bah, notamment. D'ailleurs, quand elle est partie aux États-Unis,
son entraîneur a dit, bah, vous allez voir, elle va battre le record du monde. Et puis au bout de 2 mois, je crois qu'ils ont abandonné les DR. Elle est natale. Sur à Göteborg, tu vois, elle gagne le 400, elle devait doubler. Au final, elle décide au dernier moment de ne pas doubler parce qu'elle a une petite est sur la cuisse. Mais elle domine quand même la saison de 4H en battant les filles qui feront le record du monde à Göteborg. Donc, enfin, j'aurais adoré vraiment la voir sur cette course-là. Quoi. Léna, toi, tu t'es pas, t'as pas dit pourquoi plus Warholm du coup? Bah, moi, j'ai l'impression que Warholm, il est vraiment au-dessus des autres. Il y a vraiment une sensation de domination. Alors que Dalila Mohamed, Sylvia Clopin, elle est quand même à la baston avec Dalila Mohamed, même si au Trials elle était quand même devant. Mais et il y a Femke Bol qui arrive derrière, donc je trouve que c'est un peu plus la bagarre et du coup bah moins impressionnant parce qu'il y a moins l'effet de domination sur le reste. Ok. Mais bon, il y avait aussi cet aspect de pas tout le monde est d'accord avec toi, mais il y avait aussi cet aspect comme disait Stéphane aussi d'être la première. Première à passer sous les 52 secondes, c'est quand même une barrière aussi qui est brisée, une barrière qu'on attendait quand même depuis quelques années, mais des barrières, il faut, même si on attend, comme on disait hier, c'est comme pour les records du monde, même si on sait qu'on a le potentiel pour le faire, il faut le réussir et elle l'a réussi, donc voilà. Et maintenant, on va s'intéresser au cas par cas à chaque record du monde, on va commencer avec les filles, mais on va regarder la vidéo, et comme ça on va pouvoir analyser un petit peu ça ensemble. Est-ce que Léna vous a dit qu'elle s'est entraînée avec Dalila Mohamed? J'ai oublié de le dire quand il y avait Agnès, Léna, que tu faisais ta reconversion sur le 4H. Ah, Léna voulait annoncer ce soir qu'elle passait sur 400 et aussi, c'est pour ça. Mais non, ça a duré 5 mois ce bazar. En fait, je m'entraînais avec Boogie Johnson, Laurent Kuhn, de Dalila Mohamed, de Brianna Rollins et de Christy Kasslin. J'ai fait un an aux États-Unis avec ce coach-là. Et du coup, l'obsession, c'était de me mettre sur 4H parce que c'est une bonne course de 400 et j'ai des... Voilà, j'ai des aptitudes sur 800, donc voilà, j'étais entre les deux et je pense que je ne suis pas très bien passée. Donc, C'est pas facile. Tu nous donnes les secrets maintenant, hein. Faut que tu nous dises, parce que Boogie, il parle pas trop et tout ça, il donne une séance comme ça, elle fait 10 fois 400, machin, mais on sait rien, donc il faut que tu nous dises les secrets. Bah, j'avais l'impression des fois qu'il sortait les séances de sa tête. Genre vraiment, il venait au dernier moment et il me disait « Bon, bah là, tu vas faire ça. » Et ça sortait un peu nulle part, j'ai l'impression. Même les chronos, les temps de passage et tout. Mais ouais, PJ, si tu me fais un petit chèque, je te passe. D'ailleurs, parce que c'est la saison 2019 en plus, hein, si je me trompe pas. Donc l'année où Dalila fait 2 records du monde, quoi. Ouais. Et elle m'a coaché sur son SP, SP 4H. Bon, je pense qu'elle est meilleure athlète que coach, du coup. D'ailleurs, PJ, toi qui veux des petits insights sur les coachs de 400, j'avais une question pour toi que je t'ai pas posée la semaine dernière. On en a parlé la semaine dernière dans l'émission. T'as été le coach du coup du recordman d'Europe, du recordman d'Afrique du 100 mètres, puis maintenant de lancer de marteau. Comment on passe du 100 mètres au lancer de marteau? À chaque fois, en fait, c'est deux athlètes extraordinaires. Hein, ils étaient assez jeunes quand j'ai commencé à les coacher. Ils avaient des parcours différents et tout ça. Mais en fait, j'ai vraiment eu l'impression d'apprendre avec eux. Parce qu'ils maîtrisaient leur art d'une manière assez différente. D'ailleurs, Olu, beaucoup plus instinctive. C'était un génie du départ et de l'accélération. Il voulait pas faire de muscu. On y allait tout le temps. Quentin, c'est pareil. Il avait des idées très arrêtées sur la muscu. Et finalement, on a ouvert des choses. Il fait du sprint, voilà. Il fait du chariot. Donc c'est finalement c'est coacher comme on dit aux États-Unis. On coach l'athlète et pas la discipline. On coach plus l'athlète que la discipline elle-même. Donc c'est un petit peu mon approche et je pense que c'est un petit peu le principe de l'individualisation et Stéphane sera sûrement de cet avis là aussi que on peut passer d'une discipline à l'autre, de la perche aux 60 mètres en salle, au 4H. Ah, il nous a même dit qu'il aurait pu se qualifier aux Jeux Olympiques sur 800 mètres, Stéphane, donc si t'as loupé ça. Bah, il a un bon coach pour ça, j'imagine qu'il a dû faire, entre ce que t'as fait avec Pia et ce que t'as fait avec Ralf Schmitt, je pense que c'est jour et la nuit en termes de volume, d'approche. Ah bah, quand je suis passé sur 400 haies, j'ai discuté, j'étais au Racing à l'époque, et les mêmes... comment il s'appelle, j'ai plus son nom en tête, mais les collègues ils pensaient que je faisais du 800 cette année-là. Donc j'avais
effectivement, par rapport à un sprinter, quand tu fais 6 x 1000 dans la semaine et 6 x 600, des footings, des sorties, ça calme, quoi. Donc, j'ai effectivement eu la chance d'avoir des entraîneurs différents parce que, après, j'étais aussi dans le groupe sans être entraîné par Fernand, mais j'étais en stage avec eux, j'étais sur la piste avec eux. Et donc, j'ai vu aussi ce que faisait Stéphane et le groupe de Fernand Hurtubise. Donc, c'est vrai que j'ai pas mal d'entraîneurs références pour avoir une panoplie assez diverse et variée. Ok. On nous dit dans le chat qu'on a eu notre première médaille aux Europe Junior. Donc voilà, à la marche, donc Maël, j'ai pas son nom de famille, qui a terminé 3ème du 10 000 mètres marche en battant le record de France. Donc là encore, on en parlait tout à l'heure justement, ouais. de disciplines, on a des médailles dans plein de disciplines différentes. La marche féminine qui était pas forcément un point fort en France, et là beaucoup de records de France qui ont été battus cette année, c'était chez les minimes, chez les seniors, chez les espoirs, chez les juniors, tous les records de France sont tombés chez les femmes. Et Beer Ailes Lewis, son nom de famille, et du coup voilà, une marche en Europe pour les femmes, c'est sympa. Vas-y Léna. Ah, tu viens d'écrire le nom, c'est ça? Je te reprenais sur le nom, c'est... Biré. Oui, tiens, aussi là. Ok, Maël Biré-Znouis. Bon, ben, félicitations à elle, du coup, on va suivre ces championnats d'Europe avec intérêt. Donc, je disais, on va passer, on va regarder un petit peu la course de Sydney, pour qu'on en parle un petit peu rapidement ensemble aussi. Parce que c'était quand même... Vous me dire déjà ce que vous pensez, si c'est propre ou pas. Aussi, savoir si vous pensez que ça peut encore descendre, beaucoup descendre. Justement, vous n'étiez pas tous d'accord tout à l'heure avec... avec Léna, quand elle disait qu'elle n'avait pas forcément beaucoup de marge sur les autres. Sylvain, la parole est à toi si tu veux nous éclairer un petit peu sur Sydney. Ah ben, pour savoir si c'est propre, ouais, non, c'est très propre, sa course. Ouais, alors, elle part assez lentement, elle finit très très fort dans le dernier 200. On regardera tout à l'heure, j'ai toutes tes statistiques, Sylvain, on regardera ça après. Mais, Non, mais comme le disait Stéphane, elle a fait un gros travail de vitesse... cette année aux 60 haies et puis après aux 100 haies, 12,65, enfin 12,65, ça fait quoi, 4e ou 5e au jeu quand on fait les jeux sur 100 haies, ouais. À peu près quoi, hein, voilà. Donc ouais, elle a fait un gros travail, donc effectivement, techniquement, c'est magnifique, et puis même sur le relâchement de la foulée, elle est très fluide, elle est vraiment au top là-dessus quoi. Du coup, pour toi, ça peut encore descendre, ce 51,90 tu vois des points d'amélioration sur sa course ou juste avec la fin? Ça descendra éventuellement avec la forme qui s'améliore. Après, sur le point de vue technique, il n'y a pas vraiment de faute. Il n'y a quand même pas grand-chose à dire. Hein. c'est plutôt une bonne technicienne, c'est vrai. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose aussi, Patrice? Pardon. Hop. Stéphane, si tu veux dire quelque chose, je vous entendais plus. Oui, je suis comme Sylvain. Quand on voit la course qu'elle a fait, c'est difficile d'aller grappiller des centièmes ou des dixièmes quelque part. Après, elle a dominé Mohamed, la championne olympique, et Femke Bol va arriver. Donc, j'imagine, comme en 2019, on attendait une grosse course sur 400 haies, parce qu'ils étaient 3 à moins de 47 chez les hommes. On s'attendait à une course de malade à Doha, et à championnat ça ne gère pas de la même manière qu'une course en meeting, mais par contre on aura quand même 3 filles très très fortes pour courir autour de 52 et moins, c'est sûr. Malheureusement, il pourrait y avoir une 4e qui pourrait s'inviter à la fête, mais malheureusement c'est pas qualifié pour Tokyo, parce que on le disait, la saison chez les femmes qui est vraiment très très relevée pour l'instant, donc on va redire, donc Sydney McLaughlin qui est la meilleure performance mondiale de tous les temps, record même du monde, 51,90. Femke Bol qui a fait 52,37, c'est la 4e meilleure perf de tous les temps. Et Shamir Little, l'américaine, qui a fait 52,39, c'est la 5e meilleure perf mondiale de tous les temps. Donc 3 des 5 meilleures perfs qui ont été faites cette année. C'est quand même assez exceptionnel. À ça, quand même, on peut le dire, on peut rajouter Dalila Muhammad qui a la 2e meilleure perf mondiale de tous les temps, qu'elle n'a pas fait cette année, mais en 2019. Mais Shamir Little, du coup, qui ne s'est pas qualifié aux Jeux Olympiques. Bon, c'est peut-être un petit peu dommageable pour le spectacle, mais malheureusement c'est le système américain qui est aussi comme ça. Mais c'est vrai que la densité elle est folle cette année chez les femmes, chez les hommes aussi, mais chez les femmes pour l'instant on est dessus. Est-ce que une explication à cette densité qui est folle, est-ce que c'est que peut-être les filles rapides se mettent enfin sur 400 haies, les chaussures, il y a plusieurs explications, je sais pas, PJ, toi si t'as une idée un petit peu là-dessus. J'ai l'impression que c'est tout le temps un peu cyclique, hein, sur toutes les épreuves. On voit
C'est par vague, que ce soit sur 100 mètres, lancer du poids, marteau, etc. Je me rappelle de la hauteur. Il y a Là, quelques temps, à la hauteur masculine, on avait we lève 5 top, mecs puis à hop, plus de 2,40 maintenant et aujourd'hui. maintenant, ouais, c'est ça. Maintenant, il n'y a plus Donc personne. là, on se retrouve en fait avec des filles qui sont toutes entraînées par des gens différents. Donc, il n'y a pas forcément une école avec des profils un peu. Mais c'est vrai qu'elles ont toutes un profil quand même assez rapide à la base. Peut-être Mohamed a le profil 800. Elle a dit qu'à l'entraînement, elle avait fait un 800 en 2,03, il me semble. Donc, c'est voilà, elle a. Bon, ben. Je faisais Mais. des répétitions de mail avec elle, Mohamed, quand Ouais. elle était. Et bah après, McLaughlin, voilà, super forte sur 200. Femke Bol, elle fait pas de 200, mais je pense qu'elle serait aussi. Voilà, elle a rien envié avec les meilleures européennes, quoi. Donc, et c'est ce qu'on voit un petit peu chez les gars avec des gens qui sont capables de faire moins de 20 et qui sont corps de 4 âges. Donc, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Et il me semble que Kevin Young avait dit qu'à l'entraînement, il avait fait 24 sur 200 et une 16 sur 600. Bon, bah, ça situe son niveau pour faire un peu moins de 47. Mais là, on est à des gens qui font moins de 20, quoi. Donc. Mais ça rejoint peut-être un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Stéphane, qu'il y avait un petit peu, en tout cas en France, cette idée de bah, les gens pas assez rapides sur 100 ou 200, ils montaient sur 400. Et moi, j'avais aussi un peu cette impression qu'il y avait des gens bah, pas assez rapides sur 400 qui, du coup, passaient sur 400 et parce que c'était peut-être un peu moins relevé. Et là, peut-être du coup, qu'on a des profils de top athlètes mondiaux vraiment qui pourraient briller sur le 200 et qui pourtant sont sur 400 et du coup, c'est peut-être aussi ce qui explique ces performances qui sont assez extraordinaires. Je ne sais pas si Sylvain, tu veux dire quelque chose ou Stéphane par rapport à ça. Moi, je sais pas pourquoi. Alors, tu as commencé à parler en disant que le niveau des femmes était extraordinaire. C'est vrai. Le niveau des hommes est presque équivalent. En ce Ouais, moment, franchement, oui, les deux. Ouais. on a trois des quatre meilleurs mondiaux en hommes et en femmes de tous les temps qui sont en activité. C'est fou. Et Même je 4 pense des que, 5 chez alors, les femmes, du coup. ouais. Et tu vois, avec deux records du monde en hommes et en femmes. Je ne suis pas sûr que ça soit déjà produit dans l'histoire récente sur une discipline. La dernière fois, c'était 83 qui a eu les deux records du monde 4H, il me semble, de mémoire. Mais tu vois, avec les trois des quatre meilleurs qui sont en activité, je ne sais pas pourquoi, vraiment. Moi, j'ai pas d'explication. Ouais. Je ne sais pas si Stéphane, tu as Stéphane, t'as une une. explication ou pas? Non, 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 c'est conjoncturel, hein, forcément. Tant mieux, et tant mieux parce que. Il y a des mythes. Tout à l'heure, je crois que c'est PJ qui parlait, je ne sais plus comment il a dit ça, sur Litvinov qui avait fait 87 mètres à l'entraînement, et du coup, il s'est dit qu'il valait. Quand Christophe Lemaitre a fait moins de 10 secondes au 100 mètres, on pensait que c'était chasse réservée à des sprinters noirs, et Christophe a montré que c'était pas le cas, et il a ouvert la porte. Il y a des gens qui faisaient un blocage. Et c'est difficile de faire. J'ai du mal. On peut faire un blocage sur une barre, par exemple, se dire 2 mètres, faut la franchir, c'est 2 mètres. Et courir 10 secondes, 9,98 ou 10,02, c'est difficile de faire un blocage sur un temps. Et pourtant, il a ouvert des portes. Et là, en ce moment, on a vu Moses courir toute sa carrière et mourir à 47,02 en se disant c'était un mur. Et d'un seul coup, il y a eu le météorite Hume qui a fait 46,78. Dans une course où il était euphorique, où tout est passé. Enfin, il était au top cette année-là à Barcelone, puisque si vous vous souvenez bien, il a fait quand même à un moment donné en série, entre la 3 et la 4, il fait 11 foulées quand même. Donc c'est quand même quelque chose qu'on n'a jamais vu et qui s'est jamais refait, si ce n'est par lui uniquement. Donc voilà, il y a une conjoncture. Oui? Et Oui, deux jours Sylvain? avant, alors deux jours avant les séries, ou trois, je sais plus, il fait un 400 en faisant 5 EF et en finissant sur le plat, où il fait à peu près le temps de son record du monde. Il fera en finale. C'est comme Ah si oui. c'était rajouté un tour au. C'était pour s'échauffer. Ouais. Surcompensation. Je montrais aussi du coup, les temps de passage. Donc là, c'est Sidney McLaughlin sur ses meilleurs chronos. Donc c'est Sylvain qui réalise ça. Donc pour ceux qui ne savent pas, voilà. Sylvain, je le disais tout à l'heure, qui corrédige hop, les nouvelles du 4H avec Jean-Jacques Bem. Voilà, et du coup, dessus, ils ont fait une petite analyse du record du monde. Et c'est pour ça, Sylvain, je te disais, elle part pas hyper vite parce qu'on voit qu'elle passe moins vite qu'à Doha, finalement. Ouais, mais le 400S, c'est une histoire d'équilibre. Donc, pour l'instant, son meilleur équilibre où elle est la plus performante, bah, c'est quand elle fait
quand elle part un peu moins vite. Mais c'est un équilibre du coup qui est propre à chacun, c'est pas il n'y a pas un équilibre vraiment à trouver. Alors, il y a deux choses. Elle est propre, effectivement, un petit peu à chacun, mais en restant dans des normes, oui. Enfin, dans des moyennes. Elle dépend aussi de ta manière de courir. Quelqu'un qui fera, je sais pas, si les femmes tout en 15 ou tout en 13 chez les hommes, ne va pas courir pareil que quelqu'un qui va faire un plus 1 ou plus 1, plus 1, comme a fait Stéphane. Il va y avoir forcément plus de différence, voilà. Donc, en gros, quand on reste sur son nombre de foulées, on a 1,5 seconde d'écart entre les 200 si on fait une bonne course. Et quand on fait un plus 1, on a entre 1,5 seconde et 2 secondes, ce qu'il faut en tout cas, ce qu'il faudrait en tout cas. Et quand on fait plus 1, on est à 2 secondes, entre 2 secondes et 2,5 secondes. Si on sort d'un peu plus de ça, ça veut dire qu'on peut encore optimiser sa course. Voilà. Ok. Stéphane, par exemple, qui faisait plus 1, il faisait 2 secondes 4 d'écart entre ces deux 200. Ok. Mais j'avais pas beaucoup de courses dans les jambes. Ou un. Je réponds juste à ce qu'on me dit dans le chat, c'est des gens qui disent qu'ils ont pas reçu ce numéro ou quoi. Voilà, s'il y a des gens que ça intéresse de recevoir la nouvelle du 4H, je pense, Sylvain, qu'ils peuvent t'envoyer un mail sur l'adresse qui est là. Ah oui, bien sûr. Comme ça, bien comme sûr, ouais. Alors, je sais qu'il y a j'ai eu 2-3 ans problème de. D'envoi de mail à un moment, donc ouais, renvoyez-moi un petit mail et avec plaisir, je vous remets dans la liste d'envoi. Ouais. Donc c'est gratuit, donc les gens qui sont fans de 4H, n'hésitez pas, c'est super bien fait. Ouais, aussi, du coup, pour expliquer un petit peu ce record du monde de McLaughlin, on voit, elle a changé son schéma de course aussi. Elle part en 14. Alors, vas-y, parle-nous un petit peu, Sylvain, si tu veux. Ben, c'est ça qui est étonnant, elle a réussi à. C'est son tour de force. Elle est partie moins vite en enlevant une foulée. Ouais. En général, quand on part moins vite, on rajoute une foulée. Et là, elle est partie moins vite. Donc, elle a dû gagner en amplitude et sûrement en relâchement. Et en relâchement. Ce qui fait qu'elle peut finir plus vite. Ok, ouais. Et du coup, elle a changé pas mal de choses cette année, je crois aussi. Tu disais qu'elle change donc son modèle. Elle a également changé d'entraîneur, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses qui ont changé pour elle et finalement ça a l'air de plutôt, ouais, là c'est écrit, ça a l'air de plutôt. Bah, Bob Kersey, en fait, quand on a vu qu'elle allait changer pour, en fait, elle change pas beaucoup beaucoup parce qu'elle est entraînée par une fille qui était elle-même coachée par Bob Kersey, Joanne Hayes. Ouais. Quand elle a commencé sa première course, en fait, Bob Kersey l'a obligée à faire un 60 mètres haies en salle de la mauvaise jambe. Voilà, donc ça donnait. Ah, on en parlait tout à l'heure. Ça c'est Bob Kersey, franchement tout craché. Et en fait, il va demander des trucs comme ça, mais il n'y a que Bob Kersey qui est capable d'imposer ça aux athlètes. Quoi. C'est assez drôle. Quoi. Bah, en attendant, elle a deux très bonnes jambes, pour le coup. Elle n'est pas vraiment gênée par ça, au moins, c'est un avantage. Non, mais bon, elle s'aligne quand même contre des filles très fortes. Il faut assumer. Quoi. Tu te dis, bon, ben, je ne vais pas être favorisé et tout ça. Voilà, quoi, c'est tout Bob Kersey. Bob Kersey qui enfermait ses athlètes avant, parce qu'il, par exemple, il coachait Sandra Farmer-Patrick, qui a eu le record des États-Unis pendant pas mal de temps, et elle fait vice-championne du monde à Stuttgart. Elle disait, bon, bah, Bob Kersey m'a enfermé pendant 2 jours, j'avais pas le droit de sortir de ma chambre. Donc, c'est un peu les méthodes très très spéciales du coach, quoi. Ouais. Bon. Et on en a parlé un petit peu rapidement des chaussures, mais est-ce que vous pensez pas, Sylvain, je sais pas si t'as vu une explosion des performances vis-à-vis de ça ou pas. Pas que dans le top mondial, dans la densité et tout, puisque finalement ces chaussures qui étaient réservées au départ au demi-fond, les fameuses chaussures carbone, qui arrivent de plus en plus sur le sprint, et il y a certaines personnes qui disent aussi qu'il y a réussi une amélioration du chrono sur le sprint, et du coup notamment sur 400S ça pourrait avoir des effets, peut-être qu'il y a aussi un peu à creuser de ce côté-là. On pense qu'il y a un effet pour l'instant, pour la durée c'est bien compliqué. Et dans les deux cas, et en homme et en femme, on s'attendait, même sans changement de chaussure, à ce que le record du monde soit battu. C'est sûr. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué de dire. Mais c'est plus sur la densité. Le record du monde, oui, mais c'est vrai que peut-être chez la densité, quand même. Comme moi, par exemple, la perf qui m'a impressionné dans ce sens-là, c'est l'Ukrainienne Ryzakova qui passe d'un record à 54, elle est passée à un record à 52 directement. Et elle a 30 ans. Donc, bon, les chaussures, peut-être pas tout, mais quand même, voilà, y a eu des perfs vraiment. Qui ont été assez impressionnantes cette saison sur le 4H. Oui, non, je vous vois rigoler, mais personne ne... Non, si, moi je vais dire quand même, parce que
Il y a deux choses. Hein. D'abord, les chaussures, on a vu ce qui s'est passé à Doha avec Sifan Hassan, qui avait pratiquement une exclusivité des modèles qui existent maintenant pour tout le monde. Il y a forcément, quand on est objectif, les spécialistes disent que sur la route, on a 3 à 4 secondes, 3 à 4 secondes de gain au kilomètre. Donc, quand on voit maintenant ce qui se passe sur la piste, en sprint, et en demi-fond sur la piste, c'est juste phénoménal. Je pense qu'on a changé d'air. Et quand on voit la densité sur 800, il y a plus de 40 mecs qui font moins d'une 44, je crois, cette année, ou moins d'une 45, mais c'est juste impressionnant. Hein. Et je ne sais pas, par contre, Pierre-Jean Vazel, peut-être tu le sais, sur le 400 mètres de Warhol, il m'a semblé au départ le voir avec des vieilles Pumas Bah, il qu'il a des avait chaussures, avant. Puma en fait, elles sont. Ouais, c'est. Là, ils viennent juste de sortir des nouveaux modèles Puma avec un coussin qui s'appelle. Je sais plus quoi, il y a un nom de marque, quoi, Mais mais ouais. c'est des Mais chaussures. par contre, Voilà. de Warhol, il avait des chaussures ouais. standard, quoi. Ok. Ouais. Je crois qu'il avait, je crois, je suis pas certain. Hein, encore une fois, c'est tellement flippant ce qui se passe avec les chaussures parce que les gens ne reconnaissent pas. Ouais. C'est évident que c'est pas évident de dire j'ai progressé à cause des chaussures. Bien sûr qu'il y a des gens dans les chaussures, mais quand on voit ce qui se passe, l'explosion des performances. Quand on voit chez Liane Fraser qui court plus vite qu'elle a jamais couru à 34 ans, que après Hélène Thompson qui court à nouveau à son meilleur niveau, même si elle a eu des problèmes de tendons, forcément, là c'est conjoncturel. Sur 100 mètres, on peut imaginer entre 5 et 10 centièmes, peut-être même jusqu'à un peu plus de gains sur la performance. Mais ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est qu'en 2020, alors là je vais sortir les chiffres quand Les même. archives. C'est que aujourd'hui, les chaussures, c'est le meilleur masquant antidopage de l'histoire. Parce qu'en 2020, avec la pandémie, je vais vous donner deux, trois chiffres. En avril 2019, il y a eu 25 000 contrôles en athlétisme. En mai, 27 000 et en juin, 26 000. Donc on est à 26 000 de moyenne en 2019 sur avril, mai, juin. En avril 2020, il y a eu 578 contrôles. En mai 2020, il y en a eu 2 600 Ah et ouais. en juin 2020, il y en a eu 7 700. Donc, vous voyez que il y en a qui ont dû s'en donner à cœur joie parce que les performances, elles ne sont pas dues uniquement, à mon avis, qu'au progrès technologique. Et la deuxième problématique, c'est que l'île 2AF a ouvert la boîte de Pandore avec ces chaussures-là parce que ils ont réglementé les chaussures. Mais est-ce qu'à l'arrivée des courses, on découpe la chaussure pour voir si elles sont réglementaires et qu'il n'y ait bien qu'une seule lame avec l'épaisseur de mousse En cas de record, oui. Normalement, oui, en cas de En cas record, de oui, c'est record, les sûr. chaussures doivent être envoyées à un labo d'analyse dès qu'il y a un record qui est effectué. Donc ça, c'est une bonne nouvelle et ça me rassure parce qu'effectivement, et c'est pas le cas pour tout le monde, mais il y a quand même, il se passe quand même quelque chose avec ces chaussures et sur cette année 2020 qui a été un peu perturbée par la pandémie. Mais par contre, alors, on dit record de quoi? Non, pas en cas de record perso, malheureusement. C'est vraiment s'il y a un record, je pense, avec continental, mondial, je suis même peut-être un record de France, je sais pas exactement. PJ, tu sais, pour les records de Non. France? Non. C'est vraiment pour un Non, record mais je me mondial, demande quoi. comment. Parce que c'est bien, ils ont toujours des règles fantastiques, mais comment ils font? Ils prélèvent la chaussure à l'arrivée, comment ça se passe en fait? Ils Ouais, la pour être. retirent. Non, mais voilà quoi. C'est vrai. Mais bon, dans le règlement, c'est écrit en tout cas qu'en cas de record avec la réglementation des chaussures, les chaussures doivent être analysées ensuite pour que le record du monde soit validé. Je lisais le chat, mais il n'y a rien d'intéressant. Quoi, si Vincent qui était content qu'on parle des chaussures et qu'on nous disait du coup bien que Warhol a bien couru avec des chaussures classiques lors de son record du monde. PJ, toi justement, sur le 100 mètres, t'avais mis aussi un tweet. Tu penses, je crois, tu t'estimes aussi qu'il y a un gain grâce aux nouvelles chaussures, plutôt de l'ordre de 5 centièmes, quelque chose comme ça, tu disais? Bah, j'entraîne plus de sprinteurs, Ouais. voilà, donc et j'ai des collègues qui utilisent des outils, voilà. Après, le sprint est tellement court que c'est très difficile de discerner, c'est au millième, quoi. Je sais qu'on avait analysé les courses de Rogers, mais c'était sur des 30 mètres au début, quand il avait testé les Vipers l'année dernière. Mais bon, bah, c'est des modèles qui évoluent parce que ils ont les avantages de les inconvénients de leur avantage. Ils sont pas forcément stables en virage et tout ça, donc les athlètes sont pas forcément contents qu'il y ait des retours. Ce que disait Léna, Et ouais. mais on estime effectivement sur 100 mètres à 5 centièmes. Ça c'est des deux coachs, un qui est en Chine et un autre qui est aux États-Unis, voilà qui m'ont. On est à peu près d'accord, voilà sur et surtout en fin de course en fait, ça aide plus
en fin de course, et ça aide plus les, entre guillemets, les bons partants. Je dis bons partants parce que c'est eux qui ont un peu plus de mal sur le finish et donc qui sont un peu plus, qui seraient, je mets des, voilà, qui seraient un peu plus avantagés sur la fin de course. On a vu notamment, voilà, je dis à tout hasard, chez Liam défoncer son chrono sur 200, quoi, parce que c'est pas autant sur 100 mètres, bon bah voilà, mais sur 200, elle a jamais montré une forme pareille, quoi. Mais c'est vrai que, Surtout en fin de course. comme tu disais, bon partant, on pense directement à Shane Fraser-Pryce, et qui avait plutôt du mal à terminer ses 200 mètres. Là, forcément, si ça l'aide sur la fin de course, les Mais chronos. techniquement, on voit que ça a changé aussi. Et on a des athlètes chinois, voilà, qui ont mis en cours de saison des chaussures, donc on estime sur les compétitions, voilà. Et ça aide aussi, ils se sentent plus hauts sur leurs appuis. Bah déjà, mécaniquement, tu gagnes 1,5 cm ou 2 sur ta longueur de jambe, c'est appréciable quand même. Mais on voit aussi qu'ils sont beaucoup plus en cycle avant, tu vois. Ça aide. Et peut-être des temps Voilà. de. Est-ce que ça a été analysé les temps d'impact au sol qui sont peut-être plus courts? Ben, sous Bingtian, ses temps de contact étaient à moins de 0,80. Donc c'était super court. Et ils ont fait des tests sur une piste très dure qui sera la même que celle de Tokyo. Et en fait, le problème, c'est qu'il s'emballait, le rythme s'emballait, quoi. Il Donc allait il trop avait du mal vite. à détecter, bah, pas en vitesse de déplacement, Ouais. mais en, tu vois, en gestuelle. Gestuelle, ok. Ouais. Il faut quand même une adaptation par rapport à ces chaussures-là, quoi. Il fait de la survitesse avec les chaussures. Ouais, de la surfréquence, en fait. Assez, ouais. Ok, bon, bah, c'est intéressant du coup. Et Vas-y, Stéphane. j'ai croisé Benjamin Compaoré cette semaine à l'INSEP Ouais. et qui avait reçu un nouveau modèle, les nouveaux modèles justement pour sauter en longueur au triple saut. Et il m'a dit, a priori, il n'est pas sûr de sauter avec parce qu'effectivement, PJ en parlait tout à l'heure, il a des problèmes de stabilité et au triple saut, ça peut quand même poser un problème sur les appuis, sur les cloches et la foulée. Donc il n'était pas certain qu'il sauterait avec le modèle qu'il a reçu en tout cas. Benjamin, je l'ai vu défoncer des chaussures neuves, sortir de la boîte. C'était des Adidas à l'époque, je sais pas si chez qui il est, mais défoncer, Super voilà, impressionnant. sur un saut, quoi. Premier saut, boum, défoncer la chaussure. Mais bon, bah, il est très très puissant, très lourd, donc les impacts au sol, c'est incroyable hein, chez Benjamin. Pour un saut à 17 mètres, Mais c'est vrai que ces multiplié chaussures. par son poids, c'est énorme, quoi. Les chaussures, on en parlait beaucoup en demi-fond, on commençait à parler sur sprint. Également, tu as raison de le souligner, ça arrive aussi sur les sauts. J'avais montré une vidéo il y a quelques temps, Stéphane, pour rejoindre ce que tu disais, de Eusebio Casares, le sauteur en longueur espagnol, qui avait reçu les nouvelles pointes de Nike, je crois, si je me trompe plus, mais en tout cas une pointe de longueur, et quand il avait fait une vidéo où il s'énervait, il insultait les chaussures en disant c'est une honte, c'est des chaussures à ressort, tous les records qui vont être battus maintenant, ça sera les chaussures post-ressort, c'est plus de l'athlétisme, c'est du cirque, et voilà, il était vraiment très très énervé par ces nouvelles chaussures. À ressort, il les appelle en tout cas les nouvelles chaussures de son longueur de chez Nike, donc on verra. C'est peut-être pour ça que Mayambo fait nimp, je sais pas. Après, mais c'est possible que là aussi, du coup, il y a un temps d'adaptation qui soit nécessaire, comme disait Stéphane pour Benjamin Compaoré. Mais on suivra ça en tout cas. L'anecdote que je peux raconter, c'est que par exemple, moi, la première fois que j'ai couru sur une piste en hiver, en salle, sur une piste En bois. de tartan montée sur bois, donc avec du vide en dessous, je m'étais chauffé, c'était à Budapest, je m'étais chauffé sur une piste normale dans le gymnase. Et quand je suis allé sur la piste, j'ai fait un départ première avec cette piste en bois. Et franchement, heureusement que je l'ai fait avant, parce que si je l'avais fait en cours, je pense que j'aurais pas terminé. Parce qu'il y a un renvoi qui est complètement différent. Donc aujourd'hui, j'extrapole avec les chaussures. C'est un peu le même principe. Il va falloir peut-être pour certains un temps d'adaptation. Mais voilà, c'est pas évident de s'adapter à ces nouveaux modèles. Et ça ne marchera peut-être pas pour tout le monde en fonction de la pose d'appui. Je vois qu'on dit changer de chaussure au 6ème essai. D'ailleurs, on n'a pas reparlé des 6ème essais parce qu'on en parle tout le temps dans l'émission des fameux 6ème essais en or pour gagner les meetings. On aurait pu en parler quand on a parlé du meeting de Gadget parce qu'il y a encore un nouveau rebondissement là-dessus. C'était le Portugais, oui, Pablo Prado Preixado, qui a fait que le premier essai pour se qualifier dans les trois premiers. Il n'a pas sauté ensuite tout le concours et il saute le 6ème juste pour remporter le concours. Donc voilà, on voit bien que la règle, encore une fois, cette règle qui est un peu. Voilà, un petit peu bête. Ça, c'est peut-être différent parce que, encore une fois, les athlètes, j'ai l'impression qu'ils étaient un petit Oui, bien peu sûr. en économie pour pas se blesser avant les jeux. Non, mais bien sûr, mais bon, c'est dû à il saute sur le 6ème essai parce que c'est la règle.
voilà, voilà. La règle, je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane, de cette règle du sixième essai en or qui permet de remporter le concours, mais il n'y a pas grand monde qui est pour. C'est une aberration. Ouais, c'est une aberration. En plus du temps qu'il peut y avoir entre le cinquième et le sixième, parce qu'il faut passer en direct à la télé, c'est juste voilà, le cas du record du monde battu dans les cinq premiers. Le mec, il mord au dernier et il se retrouve dernier. Si les deux autres font même des perfs insignifiantes, c'est... C'est pas ça l'athlétisme. Bon. On dénature l'athlétisme. Mais bon, Michael Johnson te dira que si tu bats le record du monde en série du 100 mètres, ça fait pareil. Non, mais c'est parce qu'il avait donné. Oui, oui, oui. Tu gagnes pas le 100 mètres pour autant. On va continuer un petit peu sur notre analyse du 400. On finit sur le record du monde de McLaughlin. Moi, j'ai fait aussi quelques recherches là-dessus. J'ai vu notamment Nick Simmons, je pense que vous connaissez, un ancien coureur de 800 mètres qui avait participé aux Jeux Olympiques. Je pense qu'il était à Rio, au moins à Londres, sinon. Un Américain qui faisait du 100 mètres, qui fait pas mal de podcasts aussi, où il analyse des compétitions, il fait des trucs sympas sur YouTube. Et il avait fait un podcast justement sur les US Trials, et il avait analysé la course de McLaughlin. Il avait rien dit d'exceptionnel, il avait dit comme toi Sylvain que la course était très propre, ça n'avait pas grand chose à dire. Il avait plus critiqué l'épreuve en elle-même, où il a dit que pour lui les haies étaient ridiculement basses, et qu'elle testait plus la vitesse des athlètes que leur technique. Donc je voulais avoir un petit peu votre avis là-dessus. Je sais qu'avec PJ on n'est pas forcément d'accord sur ce point. Pour moi aussi je trouve les haies des filles assez basses. Je voulais avoir un petit peu l'avis de Léna, Stéphane, Sylvain, et ensuite PJ tu nous expliqueras aussi pourquoi cette hauteur là des haies, parce qu'il y a une explication derrière, c'est pas mis au hasard non plus. Vas-y Sylvain, tu t'en penses quoi toi? Les haies des filles elles sont trop basses, tu voudrais les relever ou non c'est comme ça et ça te va bien comme ça? Ben c'est Léna qui a essayé apparemment de faire des... Elles sont trop basses. Elles sont trop basses Léna ou pas? sur le sujet, non, c'était déjà trop. ce que je pense sur le sujet, c'est que bah, c'est sûr que c'est un sport différent des garçons, mais pourquoi considérer qu'elles sont trop basses et c'est pas celles des garçons trop hautes en fait? Ça, c'est ce que PJ dit tout le temps. J'ai inventé deux 400 haies différents, 400 haies mètres bas et basses, et 400 mètres hauts. Ouais. Un sport différent. Mais pourquoi toujours vouloir non mais parce que tu vois dire... le reproche de Nick Simmons c'est de dire du coup ça met plus en avant la vitesse des athlètes que leur technique et qui est une épreuve qui est censée quand même être une épreuve un petit peu technique et du coup finalement bah ça avantage les athlètes qui sont plus rapides que techniques quoi. C'est lui, c'est ce qu'il dit. C'est juste une discipline différente, je vois pas pourquoi faudrait critiquer forcément, c'est juste différent. Il faut, en connaissant lui, connaissant les différences, prendre compte des différences et considérer que c'est deux épreuves différentes. Stéphane, tu penses quoi? T'as des femmes trop basses? Ah Stéphane, on t'entend plus. Je sais pas si t'as coupé ton micro. Ouais, voilà, je suis de retour. Marie-Josée Pérec, qui était rapide, est sur 100, 200 et 400 plats. Je pense que les haies étaient suffisamment hautes pour qu'elle perde 5 secondes et plus sur son 400 haies, donc c'est pas évident. Hein. Bon, Sylvain, tu t'es un peu de cet avis aussi, du coup? Non, bah... Il y a que moi qui pense que les haies sont trop basses. Non. elles seraient à 80. Elles sont trop basses sur le 100, ouais. Elles sont trop basses sur ça. Non, mais je trouve que des fois, bon, du coup, les filles n'ont pas besoin d'être extrêmement bonnes techniquement. On peut notamment prendre le cas de Finkeball qui mesure quand même 1m84. Donc forcément, de passer des haies à 76 cm... non, 84 cm ou 76, j'ai un doute. C'est 76. 76, ouais. Bah, forcément, pour elles, ça ne lui demande pas un très grand effort. Après oui bah, c'est un avantage qu'elle peut avoir sur les autres, mais voilà, c'est plutôt qu'en fait je trouve qu'il y a un gros écart. Après je suis d'accord avec vous, mais c'est peut-être à ce moment là réduire les gars, mais je trouve qu'il y a un gros écart en fait entre les gars et les filles pour un écart de taille qui est pas forcément si grand. Je trouve que l'écart entre les par contre est peut-être trop haut. Par exemple Félix Sanchez fait la même taille que Sidney McLaughlin, ils font tous les deux 1m75 et voilà, Finkeball fait 1m84, il n'y a pas des tonnes de coureurs de 400 qui sont plus grands qu'elle. Donc moi c'est peut-être plus l'écart qu'il y a entre les hommes et les femmes qui est peut-être trop important. Mais peut-être que PJ a raison, peut-être du coup réduire les des hommes plutôt que monter celle des femmes. Non, je milite pas pour changer les des hommes, c'est juste que en fait je voulais inverser l'argument. Oui bien sûr, on pourrait le dire dans l'autre sens. En référentiel les hommes, parce que c'est vrai qu'historiquement toutes les épreuves ont été adaptées du modèle des hommes, enfin du modèle... En l'occurrence, pour les haies, c'est britannique. Voilà, ça a été codifié au 19e siècle. Avant, on mettait les haies n'importe comment, n'importe où, machin. Et c'est Cambridge qui a décidé à un moment donné, bon, ben, on les met à telle hauteur. Mais les haies basses chez les femmes ont commencé par le 200 mètres. Voilà, et il y avait un record officiel à l'époque.
Et on s'est dit, bon, elles sont peut-être capables de faire du 400. Donc, on a attendu quand même 83 avant de les mettre sur le 400 et au pas du monde. Et donc, on a déjà fait évoluer la discipline. Est-ce qu'il faut encore changer toutes les règles pour se conformer un peu plus au modèle masculin? Ou est-ce qu'il ne faut pas repenser différemment le sport féminin qui n'est pas condamné tout le temps à être modifié, comme le 80 mètres haies qui a été modifié sur 100 haies, voilà. Par contre, personne ne peut imaginer qu'on modifie quoi que ce soit chez les hommes, quoi. Ça serait vraiment tout le monde dans la rue, quoi. Ouais, non, mais ça se réfléchit dans les deux sens. Mais c'est vrai que statistiquement, enfin, proportionnellement, les haies sont effectivement un peu plus basses que chez les hommes, mais bon, on les a déjà hein. Et sur 80 mètres haies, c'était 8 mètres d'intervalle. Et sur les haies, il y a le même problème. Sur les haies, évidemment. Non, c'est encore pire, le différentiel était encore plus important. Parce qu'il y a aucun homme. C'était 76 cm. Oui, 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 il y a longtemps, oui. Donc ça a déjà monté. Mais la différence, on a vu très très peu, hein, mais Gail Deaver, c'était le modèle par excellence de sprinteuse hurdleuse. Et si on avait mis les à 91, on aurait vu des profils de hurdleuse un petit peu différents. Quand j'étais entraîneur en athlétisme et que j'avais des hurdleuses, je les entraînais souvent sur les de 91. Et je pense que il y aurait eu un rapport un petit peu plus équivalent à celui des hommes. C'est que aussi je vois dans le chat, ça fait grincer des dents certaines personnes qui disent que de voir des femmes passer avec la jambe fléchie ou alors en couronnant, ce qu'on peut voir un petit peu moins chez les hommes, où il faut être plus techniquement, hein, peut-être que ça demande plus d'aptitude en tout cas pour pouvoir passer derrière un métis. Mais après, bon, les règles sont comme ça, c'est vrai que c'est difficile dans tous les cas de les changer maintenant. Mais c'est vrai que les différences... Ouais, après, pour les diverses, elles passaient ça au-dessus, donc même avec 91, je pense qu'elles passaient. Ouais. Mais il faudrait quand même imaginer courir à 30 km/h et franchir un obstacle, quelle que soit sa hauteur. Après, on verra si les haies sont basses ou hautes. Oui, peu importe. Et en état de fatigue, encore plus. Oui. Parce que Divers, elle avait une foulée de 2,40 sur le plan de 2,35 et 2,40. Il faut le faire quand même, hein, pour ça, sur un intervalle si petit, avec la vitesse à laquelle elle courait. C'était pas évident. C'était du... Bon, on l'a vu, hein, c'était du rodéo des fois. Bah. Il y avait une dixième de trop. Voilà. On dit dans le chat qu'apparemment Célie Persson, elle militait pour des haies à 1m80 justement, et qui était plutôt bonne technicienne. Mais forcément, tout le monde milite pour ce qui t'arrangerait, elle, ça l'aurait sûrement arrangé. Donc, quoi, elle était pas très grande quand même, mais très bonne technicienne. Juste aussi pour terminer juste avec les filles avant qu'on passe aux hommes. Sylvain, à peu près, quoi, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est difficile à savoir, mais c'est juste parce que quand même, je me posais un petit peu la question. On perd combien de temps entre un 400 plat et un 400 haies? Quand on est coureur de grosse de 400 haies, c'est, on va dire, 2 secondes, c'est peut-être l'argent à la vie. Ouais. Quand on est coureur de 400 plats et qu'on passe sur 400 haies, 5, 10. Agnès, quand elle a fait ses premiers 400 haies aux interclubs en 2013 et 2015, il y avait 6 secondes 5 d'écart, elle n'était pas spécialiste forcément des haies, et c'est l'écart. Aujourd'hui, elle a fait du 400 haies, cette année, il y a 3 secondes 26, je crois, et ça va descendre. Je peux citer Stéphane Yagana qui avait dit une fois, il a dit que chez les femmes, pour lui, mais justement, c'est là qu'on voit qu'il y a un différentiel, on perdait entre 1 seconde 5 et 2 secondes 5, selon si on est un bordeleur, et chez les hommes, c'était plus entre 2 secondes 5 et 3 secondes 5. Vous êtes d'accord avec ces valeurs-là ou... C'est-à-dire que déjà, lui, il n'était pas là-dedans. Normalement, on dit 3 dixièmes par haie, et voilà, et ça fait 3 secondes. Mais tout, en fait, tout le truc, c'est de savoir quand tu prends ta perf au 400. Mais c'est pour ça, Stéphane, tu dis que Stéphane Yagana n'était pas là-dedans. Mais après, peut-être que Yagana n'a jamais couru de 400 mètres quand il était au top de sa forme aussi. Il aurait peut-être un meilleur record. Si, il a couru 45 minutes. Il a fait les France et tout. Ouais. Si, il a été au top. Et la différence, c'est 2 secondes 2, 2 secondes 3, je crois. 2 secondes 3, en gros, pour Stéphane. Et il a couru des 400 au sommet de sa forme. Ok, donc ça donne quand même une bonne valeur. Oui, vas-y, non, en général, pour des coureurs moyens, on se passe plutôt sur 3 secondes, voilà, normalement. Mais voilà, c'est 3 secondes d'écart, normalement. Ce qui est déjà pas mal. Mais pour certains, très technique, et ça peut être 2, ça dépend. D'ailleurs, ça m'emmène directement vers la suite. On va parler un petit peu des hommes. La question que je me posais, mais là, c'est plus on spécule, hein.
Mais justement, on parlait des 2 secondes, des 3 secondes. Kasten Warhol, il vaut combien en ce moment au 400 plats? Parce qu'il a un record pas fameux. Je l'avais tout à l'heure sous les yeux, je ne l'ai plus là. Mais il a un record, je crois, à 44,92, quelque chose comme ça. Pas fameux. Non, mais pour... non, c'est pas ce que je veux dire. Combien de Français qui ont fait ça? C'est pas exactement ce que je veux dire. C'est plutôt par rapport à ce qu'il fait. Il y a moins de 2 secondes d'écart entre son 400 et son 400 et. Je veux dire, par rapport à son niveau, je pense, qu'il peut avoir. Et c'est un record qui date de 2017, je crois. Mais il a fait le record d'Europe en salle, il a égalé, si je me trompe pas. Ou peut-être que c'est un record qui date de 2017. Le record national, voilà, 44,87, qui date de 2017. Et du coup, il a moins de 2 secondes de différentiel entre les deux. Et il fait le record d'Europe. Il a fait 40-0 avec. Ouais, en salle, à Glasgow. 40 minutes après. 40 minutes après un 4H. Je sais plus exactement. Hein. Dans le chat, ils vont retrouver ça, mais. Ouais. Donc 45-0 comme ça, en fatigue. Mais du coup, justement, PJ, tu penses qu'il vaut combien au 400 plats en ce moment? Bah, je pense qu'il peut faire le record d'Europe en plein air, ouais. Ouais. Vers là. Mais bon, faut qu'il. Qu'il ait envie aussi. Ouais, c'est ça. Apparemment, il y en a qui disent un petit 44 dans le chat. Bon, peut-être pas. Ouais, tu penses ça aussi, Sylvain, un petit 44? Ouais. Ouais, ouais. Autour des 44 ans. Stéphane, t'es d'accord avec ça? Ouais, je sais pas. Le record d'Europe, 44-33, là, faut aller le chercher quand même. Il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents. Il y en a beaucoup à qui on promettait ce record d'Europe et. Ouais, ouais. Il tient toujours. Hein. Ouais, ouais. Ça va vite quand même. Si on regarde le bilan de l'année cette année. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été plus vite quand même. Donc, encore une fois, il exploite vraiment sa vitesse. Il optimise vraiment sa course. Il part vite déjà. Ouais. Voilà. On verra ce que ça donne à la bagarre. Puisque Léna disait tout à l'heure que Warhol était plus tranquille. Il ne faut pas oublier Benjamin qui a fait 43, 46, 84. J'allais en parler justement. En faire un petit. Parce que là aussi, on le disait, là aussi. Les performances sont exceptionnelles chez les hommes, ils n'ont pas grand-chose à envier aux femmes. Donc on l'a dit, bon, le record d'Europe, le record du monde de Kasten Warhol. Ray Benjamin qui a fait la troisième meilleure perf mondiale de tous les temps, c'était la deuxième quand il l'a fait, maintenant c'est la troisième meilleure perf en 46-83. Alison Dos Santos qui a fait la 14e meilleure perf en 47-34, mais il est né en 2000, comme Femke Bol d'ailleurs, ils sont tous les deux très jeunes. Et il y a aussi Karen McMaster qui rentre dans le top 20, il a fait la 19e meilleure perf en 47-50. Bon, on n'oubliera pas Abderrahmane Samba qui avait réalisé 46-98 en 2018. On ne sait pas exactement où il en est. Il a couru qu'une fois, si je ne me trompe pas. C'était au meeting de Doha. Je ne sais pas exactement où il en est, si quelqu'un a des infos sur lui ou pas. Mais bon, en tout cas, il fait partie aussi des meilleurs performeurs mondiaux de tous les temps. Et puis voilà, à part Dos Santos, tous les autres, du coup, Warhol c'est 96, et les deux autres c'est 97, Ray Benjamin et McMaster, et Dos Santos c'est 2000. Il a tout juste 20 ans, c'est encore jeune, ça peut encore progresser. Donc là aussi, on voit qu'il y a une très belle densité. Très belle densité chez les hommes qui n'ont pas grand chose à envier aux femmes. Et aussi à rajouter, je ne sais pas si vous l'avez, Sylvain, tu as dû voir cette perf passée, celle de Shane Burrell, l'américain, qui a réalisé 47,84 en NCAA, 47,85 ouais. Pour sa première année sur 400 et. Il est de 2002, donc il est encore junior, oui, il est encore junior. Et oui, c'est sa première année sur 400 et. Première année sur 400 et en plus, bon, techniquement, là aussi, il y a pas mal de progrès à faire. T'as un autre style, oui, c'est vrai. Voilà. Donc encore, peut-être une pépite encore à suivre dans les prochaines années qui va venir compléter un petit peu tout ça et une grosse bagarre sur 400 et. Donc vous, du coup, vous n'étiez pas forcément d'accord avec Léna quand elle disait que Warhol avait de la marche sur les autres, c'est ça? Non, effectivement, je... Ray Benjamin, il... Après... À mon avis, ça fait partie de. Je ne suis pas sûr que ça soit Warhol à la fin qui est le record du monde à la fin de cette année. Ouais. On est d'accord, Sylvain, on est d'accord. Je suis content de l'entendre. Après, je me sens moins seul. Pour défendre Léna et être d'accord avec elle, c'est aussi que finalement, les gens ne les voient pas souvent s'affronter. Donc c'est difficile un peu de faire une hiérarchie. Ils s'évitent plutôt en meeting. Et puis Ray Benjamin, on le voit assez rarement finalement en Europe. Cette année, on ne l'a pas vraiment vu sur les meetings de MLB ou quoi. Du coup, c'est pour ça qu'on l'a vu aux États-Unis, mais on le voit de plus loin. Donc, c'est difficile de juger son niveau par rapport à Warhol qu'on trouve dominant parce que tous les meetings qu'on voit, bah, il les gagne finalement. Mais il s'évite plutôt en meeting. C'était déjà le cas en 2019. Il s'était beaucoup, beaucoup évité tout au long de la saison. Là, pareil, ils ne se sont pas affrontés avant les JO. Donc, ça se réglera sur la piste olympique. Il y a eu deux approches différentes pour cette année. Ray Benjamin a commencé très tôt sa saison.
Il a été très bon trials, et là, il devait courir à Monaco, il a dit non, et je crois faire un cycle de travail. Mmh. Alors que Warholm, lui, a commencé très tard sa saison. Mmh. Donc ça, en fait, c'est les deux. Et lui, par contre, il ne va pas refaire de cycle de travail, enfin, très peu, et il va partir sur son cycle en... au jeu. Donc c'est deux approches différentes, et ouais, on verra. Et ce qu'on peut remarquer, Sylvain, c'est que Warholm, il fait le record du monde à sa première course, même s'il avait fait un 300 avant, ouais. Et qu'à sa deuxième course, il va moins vite, ce qui n'est pas habituel sur le 4H, où on monte un petit peu en puissance, on est rarement au niveau de son record, quel que ce soit personnel ou du monde, ouais. Sur sa première course. Donc, ça prouve que l'approche de la compétition est un peu différente, parce qu'il y en a un qui est déjà au top et l'autre qui est monté progressivement en puissance pour être performant aux trials. Dans le chat, on nous dit Vincent qui nous dit, donc un autre chroniqueur qui nous dit que Karsten finit mal son record du monde. Vous êtes d'accord avec ça? Je trouve qu'il finit pas si mal. Alors, tu peux regarder juste en dessous. Là, ouais. Tu vas voir les perfs. Alors, ça peut donner cette impression. Il part très très vite. Une seconde plus vite que Benjamin à la 5. Voilà, en fait, c'est deux opposés. C'est deux courses opposées. C'est fou. Benjamin part lentement, enfin lentement. Pour lui, pour ses qualités, il prend quand même moins de 20 en 200. Voilà, mais avec un relâchement assez, assez extraordinaire. Exceptionnel. C'est incroyable. Si vous ne regardez pas le chrono, vous avez l'impression qu'il part pour un 800. Moins que... voilà, c'est... Alors, une fois que vous regardez le chrono, vous comprenez que c'est plus pareil. Mais c'est un relâchement incroyable. Alors que Warholm, lui, effectivement, il part beaucoup plus vite. Et c'est de loin celui qui part le plus vite dans tous les meilleurs mondiaux qu'on a eu, c'est le seul à partir aussi vite. Ouais. Et effectivement, après, on ne peut pas dire que déjà son départ n'est pas spécialement relâché, c'est quand même plutôt en force. Et il a un passage, en fait, il ne fait pas tout en 13, contrairement à Benjamin. Contrairement même à lui, à ce qu'il a déjà fait. Il nous a déjà montré des courses tout en 13. Voilà, il a déjà fait tout en 13, exactement. Et il finit en 15, en 15. Pour cette course-là. Ça fait, Monaco, pareil. Il a fait le même schéma exactement à Monaco. À Monaco, il fait pareil. Il part un tout petit peu moins vite à Monaco, par contre. Mais alors, concrètement, si on prend ses meilleures performances à Warholm, on voit qu'il cherche encore. C'est-à-dire qu'il n'a pas une course qui est forcément tout le temps... Alors là, c'est ses meilleures courses. Meilleure performance, alors, ouais. Il n'y a pas celle de Monaco, puisque j'ai écrit ça avant Monaco, qui est sa quatrième meilleure performance à égalité. On voit qu'il a des schémas de course qui ne sont pas encore tout le temps les mêmes, avec des temps de passage qui ne sont pas tout le temps les mêmes. Pourtant, le temps de passage à la 5, c'est quelque chose, en général, qu'on essaye de bien régler en fonction de son schéma de course. Mais lui, il se cherche encore et je pense qu'il ne s'est pas encore trouvé. Donc, ce qui veut dire que c'est... Non, mais c'est peut-être, il va peut-être encore s'améliorer. Voilà. J'ai jamais vraiment entendu son entraîneur. Donc, Ouais, et quand on part aussi vite, c'est un petit peu normal aussi d'avoir des difficultés entre la 9 et la 10, comme le dit Vincent sur le chat. Hein. Donc, non, je pense que la course des jeux sera très très ouverte parce que, notamment parce que peut-être que Warholm ne sera pas il sera probablement pas son couloir fétiche. Oui. Parce que au regard des demi-finales, il devrait normalement se trouver entre le 3 et le 6. Ouais, c'est ça. Puisqu'il devrait, ce sera intéressant de voir dans une configuration différente ce qu'il est capable de donner. Et Benjamin, s'il part un petit peu plus vite, je ne pense pas qu'il va entamer autant son potentiel de fin de course. Et donc, on devra avoir une course assez extraordinaire. C'est ce que j'allais dire justement. Est-ce que Benjamin n'aurait pas tendance n'aurait pas intérêt à partir un peu plus vite? Parce qu'on voit 1 seconde 0,5 son écart entre ces deux 200 mètres. C'est très faible. C'est extrêmement faible. Alors après, peut-être que ça lui convient bien comme ça, mais c'est extrêmement faible la différence entre les deux 200 mètres. D'ailleurs, c'est le plus faible de très très loin de tes 4 meilleurs performances mondiaux de tous les temps. Le 16 ou les 12. Le plus loin que ça, c'est de loin le plus faible écart. Alors, effectivement, on pense qu'il va partir sûrement un petit peu plus vite. Il va essayer, en tout cas. Mais en tout cas, le truc, c'est qu'à cette vitesse-là, il est très relâché, ce qui lui permet de finir vite. S'il doit partir plus vite, il va peut-être être un peu plus près des haies. Et de faire tout en 13 aussi. Et il va peut-être bouffer un peu plus de jeu. En tout cas, c'est le choix qu'il a fait au trials, de partir à ce rythme-là, qui est entre guillemets lent. Voilà. Mais ouais, peut-être qu'au jeu, il partira un petit peu plus vite. On parlait dans le chat d'apparemment Benjamin qui aurait essayé le 12.
Le 12 appuis, vous pensez que c'est possible, Benjamin, en 12? Ils sont quelques-uns dans l'histoire à avoir fait 12, à avoir essayé avec plus ou moins de réussite. Mais ouais, s'il part plus vite, il peut faire 12. Après, il faut savoir si c'est intéressant de faire 12. Ouais. Ouais. Et comment il les fera? De quelle manière il les fera Et est-ce qu'il a une très bonne deuxième jambe? Parce que là, on voit qu'il fait tout en 13, donc il n'a pas forcément envie de changer de jambe sur son schéma de course de son record. Donc partir en 12, ça veut aussi dire changer de jambe à chaque UE. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour lui? Parce qu'on en connaît un autre, voilà. Moi, Wuralem, du coup, qui fait son record du monde, pareil, avec une seule jambe. On l'a déjà vu une fois, tu me disais, dans ses meilleures performances. C'était à Londres en 2019, faire en 14. Sinon, c'est quelqu'un qui a vraiment une jambe et qui essaie de jamais passer sur l'autre jambe. C'est aussi une de ses caractéristiques. Il avait tenté de tout faire en 13. Apparemment, cette année, il a renoncé à ça et plutôt décidé de passer en 15 entre la 9 et la 10. D'ailleurs, moi je voulais votre avis. Je suis pas sûr qu'il ait renoncé, mais. Ok, tu penses que c'est qu'il n'avait pas les capacités pour l'instant? Il fait quand même record du monde en passant en 15, donc ça a l'air plutôt bien réussi. Ouais, mais il allonge encore sur la 8 hein, pour rester en 13. Ouais, et ce que j'allais dire, en fait, sur son record du monde, c'est pas tellement choquant. Sur Monaco. Sur la 9, pardon. Ouais, sur la 9, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça pourrait pas être aussi une des limites de Warham? J'ai l'impression que c'est un coureur, c'est mon sensation, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, que c'est un coureur qui a un schéma prédéfini de course avant sa course. Et qui a un petit peu de mal à s'adapter ensuite en course. Et là, on le voit à Monaco, par exemple, où il s'était dit sûrement je change après la 9. Et on voit que pour aller chercher la 9, il tire. Mais là, déjà, il tire un petit peu pour la 8, mais ça va. Il perd pas trop de vitesse. Mais là, pour aller chercher la 9, il est vraiment obligé, sur ses 2-3 dernières foulées, d'allonger énormément pour aller chercher la haie. Et il perd forcément un petit peu de vitesse là-dessus. Après, il repasse en 15 et ça le remet un petit peu bien. Et il finit très fort dans le dernier intervalle jusqu'à la ligne. Il fait quand même 47-07. Mais voilà. En fait, effectivement, il allonge ses foulées et c'est quand même pas super beau. Non. Mais quand sur on fait un plus 2, c'est obligatoire. Lui, il a décidé de passer de 13 directement. Mais est-ce que ça vaudrait pas le coup de passer à 15 à la 10, à la 9, c'est trop serré? Ouais, mais c'est un choix à faire. Soit tu rajoutes plus 2 à l'intervalle avant, mais ça t'oblige à mettre beaucoup de fréquence. Ouais. Et tu vas perdre aussi beaucoup d'énergie. Soit tu décides d'allonger et tu vas perdre aussi beaucoup d'énergie. Donc en fait, c'est qu'est-ce qui est le plus économique et le plus rapide? Ouais. Eux, ils ont fait ce choix-là. Ouais, bon, on... Mais j'ai pas... Vas-y, Stéphane. Non, j'ai pas couru à ces vitesses-là, mais je sais que pour avoir essayé, déjà, moi, je passais par le 14, mais j'ai déjà essayé le 13-15. Et j'ai l'impression quand même que quand il allonge sur la 8 et la 9, il perd quand même, il grille du jus, il perd pas mal d'énergie. Il ralentit, on le voit sur les intervalles, Sylvain, hein, sur ton... Ah ouais, en fait, où il perd vraiment du temps, c'est à sa 9. C'est en allongeant vraiment... En allant chercher, ouais. Sa 9, il perd vraiment du temps. Alors que son, entre guillemets, son plus 2 sur la 10, il perd 2 dixièmes, c'est rien du tout. Donc ouais, par contre, c'est sur sa 9. En fait, peut-être que le bon schéma pour lui, ce serait de passer une et en 14, une sur la mauvaise jambe. Mais malheureusement, peut-être qu'il n'en a pas les capacités. En tout cas, c'est pas le choix qu'il fait. Je pense vraiment qu'il est pas, il se sent pas du tout à l'aise sur sa mauvaise jambe. Mais... Quand on le voit courir, on se dirait la solution, c'est facile. Oui. C'est de faire la 9 mauvaise et 10 bonnes. Hein, et puis voilà, c'est réglé. Alors après, s'ils le font pas, c'est que... C'est sans encore. Non, bien sûr. J'ai pensé quand même. On va bientôt conclure l'émission parce que ça fait déjà plus de 2 heures. Bon, pour une émission qui est censée durer 1 heure et on nous demande le quiz et nous aussi on attend avec impatience le quiz. Juste, on termine forcément avec ça. Un petit pronostic, il va falloir se mouiller pour les Jeux Olympiques. On a dit grosse concurrence, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Je vais vous demander à chacun votre tour qui va remporter les JO chez les femmes et qui va remporter les Jeux Olympiques chez les hommes sur le 400 mètres. Léna, tu commences. Alors, chez les femmes, Sydney McLaughlin. Et j'écris, hein. J'engueulerai ceux qui en font. Vas-y, Léna. Mais moi, je vois les choses très figées comme elles sont maintenant. Les records du monde, quoi. Et Warhol, les recordman du monde. Par contre, je suis pas sûre de voir record du monde chez les hommes qui sera battu. Par contre, chez les femmes, il sera battu. Et je pense que elles seront deux filles à sous passer record, en dessous du record du monde actuel. Et que Boll le fera, par contre. Donc, je pense que Dalila le fera, mais pas Boll. Et le podium. Et le podium, McLaughlin, Dalila et Boll en troisième. Tu peux nous donner les couloirs aussi?
Et les temps des trois. Bon, t'as l'air de savoir beaucoup de choses en tout cas. Stéphane, toi, tu vois qui garde l'emporter? Chez les femmes, ouais, Sinead McLaughlin, parce que tellement propre techniquement. Je pense qu'elle, ouais, elle avait vraiment des progrès et maîtrise vraiment son sujet. Elle m'a vraiment impressionné par la construction de sa course, l'intelligence, le schéma tactique et tout. C'était bien fait. Après, il y a Mohamed qui est un petit peu en deçà, qui va revenir, qui va la talonner. Elle avait été blessée un petit peu sur le début de saison, donc elle va monter en forme. C'est ça. Elle reste une redoutable compétitrice, on l'a vu, et puis bon, le podium, ce sera effectivement Femke Bol qui le complétera. Surtout avec l'absence de Shamir Little qui aurait pu venir embêter pour la troisième place, mais du coup, qui malheureusement ne sera pas à Tokyo. Sylvain, toi, tu vois quoi? Ah ben non, et Stéphane, chez les hommes? Tu ne l'as pas dit chez les hommes? Ah, il faut dire les deux en même temps. Ah, chez les hommes, je vois Benjamin, Warholm et Dos Santos. Benjamin, du coup, qui l'emporte. Pas la... avec un nouveau record du monde, du coup. Ouais, allez. tout en or. Allez, la totale. Sylvain, toi, tu. Mais ce qui m'embête, c'est qu'il y a trois courses au jeu quand même. Donc c'est vrai, c'est difficile. Après, ils ont quand même une bonne marge, à mon avis, pour permettre de se reposer, quand même, quoi, de ne pas être à 100%. Après, sur le 400, c'est toujours difficile de ne pas être à 100%, puisqu'il faut quand même faire les intervalles. Donc on ne peut pas non plus y aller en footing. C'est peut-être plus difficile que sur 400 mètres, où on peut plus facilement gérer son allure. Daniela, vous savez le faire, ça, par contre. Ouais. Mais c'est dur à faire. Ouais. En gros, si on lui demande de courir en 56, elle sait le faire et elle sait gérer les intervalles. Tu vois, par exemple, quelqu'un comme Warholm qui a toujours tendance à partir très très vite et qui, justement, n'a pas une bonne jambe, c'est peut-être plus difficile pour lui de gérer et de ne pas partir directement à fond. Sylvain, tu c'est quoi tes pronostics? Ouais, McLaughlin et Benjamin aussi. Ok. Mais pour parce que pour parce que c'est les plus relâchés et okay. Je pense que les trois tours. Là, t'es d'accord un petit peu avec mon analyse que Warham il est un petit peu obligé de. Peut-être sur les tours, ça peut lui faire du mal, il est obligé de partir vite quoi. On peut pas dire que le relâchement ça soit son point fort. Il a plein de points forts, mais. Peut-être pas le relâchement, c'est pas faux. Et PG du coup? Bah ouais, pas très original. Je pense que McLaughlin aussi. Ouais. Après, Dalila Muhammad, c'est vrai qu'elle est revenue très fort. Mais elle a eu des problèmes dans sa préparation, elle a eu le Covid et tout ça, donc peut-être, je dis bien peut-être, qu'il lui manque un petit peu de foncier pour enchaîner trois tours encore au jeu, machin. Mais bon, ça va être une course extraordinaire. Et puis chez les hommes, Benjamin, Warholm et puis Santos, quoi. Mais bon, ça paraît un peu trop ça, donc. Bon, personne ne voit Samba revenir à son meilleur niveau pour les JO. Ça a l'air difficile. En fait, on ne sait pas où il en est. Il est déjà blessé en 2019 et tout. Donc, on ne sait pas vraiment où il en est. Par contre, dans Santos, ça a l'air très très fiable aussi, le jeune brésilien, mais McMaster qui fait aussi une belle saison avec 47-50, qui lui aussi est assez jeune. On verra ça. Samba, c'est encore pire qu'en 2019. Bon, en tout cas, moi je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, même si je pense que Warholm l'emportera, l'expérience des championnats. Et que chez les filles, ça se jouera en moins de 52, je suis d'accord avec toi, Léna, là-dessus. Je pense que c'est possible qu'on ait deux filles sous les 52 pour la finale, ça dépendra bien sûr des conditions. On fait le quiz, je vous envoie le lien dans le chat. Pareil, vous pouvez tous jouer avec nous. Ce que je vous propose, c'est que vous cliquez sur le lien, vous mettez votre nom. Et vous m'attendez sur la première question, vous commencez pas le quiz sans moi, ça vous va? Comme ça on le fait en... Comme ça on le fait en même temps. Je vous envoie. Ouais. Non mais comme ça on le fait en même temps, je lis les questions en même temps et... Moi sur mon ordinateur, Étienne, j'ai pas de chat là, j'ai toujours un truc qui tourne là et j'ai pas la colonne de chat donc... Est-ce que tu l'as sur ton autre ordi, Stéphane? Le chat? Ouais. Et tu peux le faire le quiz avec ton autre ordinateur si c'est possible? Et je peux, faut que je m'inscrive ou faut... Non, en fait, il faut cliquer sur le lien, ils vont juste vous demander, je vais le faire aussi en même temps que vous, ils vont juste demander votre prénom et c'est tout. Ils vont vous demander votre prénom et ensuite des questions à choix multiples à chaque fois et voilà. Et on va voir qui c'est qui s'y connaît le mieux en 400. Waouh. Hop, je mets mon prénom. Je fais ça en même temps que vous, comme ça vous voyez à l'écran, hop. Pareil sur le chat si vous voulez nous attendre pour le faire en même temps, sinon vous pouvez enchaîner, mais si vous voulez le faire en même temps que nous, il n'y a pas de souci, comme ça on verra. Hop, c'est bon, vous êtes tous dessus? Oui. Ouais, c'est bon. T'es où? Dans le chat, PJ, il y a le... J'ai pas accès. T'as Twitch, PJ, d'ouvert?
Je suis sur. T'es sur téléphone? Non, sur l'ordinateur. Eh ben. Ouais, soit il te faut juste le lien, soit sinon tu ouvres Twitch vite fait, tu regardes ma chaîne et tu l'auras dans le chat sur le côté. Je sais pas ce que c'est. Mais PJ! Bon, PJ, attends, je t'envoie le lien si tu veux en message sur Twitter. PJ, je t'envoie le lien sur Twitter, Suis PJ. désolé, hein. Hop! Regarde, PJ, je l'ai mis dans notre groupe. Notification. PJ, je l'ai mis dans notre groupe sur Twitter. T'as juste à cliquer sur le lien, ça va te l'ouvrir. Ok. Tu mets juste ton nom et après Ah, c'est bah d'accord, ok. tout. D'accord, merci. Je suis désolé, hein. Non, mais pas de soucis. Mais comme ça, on peut faire ça. Hop. Ah oui, il y a un concours prono sur les JO. Ouais, j'avais vu ça. Il faut que je le fasse déjà. Bon, on fait le quiz comme ça. Comme ça, tout le monde peut participer avec nous dans le chat. C'est plus sympa pour les gens. C'est la nouvelle technique que j'ai trouvée. Alors, avant les 51,90 de McLaughlin, de combien était le record du monde féminin? Donc, on a parlé, c'était détenu par Dalila Muhammad. En combien? Tu le sais, Léna, ou pas? Je demanderai à chaque fois. Quoi, répondez à la question, ensuite attendez sur la prochaine et je demande à quelqu'un. Vas-y, Léna, tu penses combien? T'as mis quoi, Léna, J'ai mis comme réponse? 22, mais T'as mis pas sûr. 52-22? Ouais. Ah, je crois que c'était pas ça. On verra tout à l'heure. Non, on peut dire les réponses au fur et à mesure. C'est 52-16, la bonne réponse? 52-16, Sylvain qui me confirme. Chez les hommes, J'arrive plus à vous trouver. Ah. Voilà. Bon, t'inquiète. Du moment que tu nous entends, c'est le plus important. Chez les hommes, qui a été le premier recordman du monde homologué par l'IAF? Le premier record du monde chez les hommes qui a été homologué par l'IAF. Si vous voulez savoir, c'était en 1908. Le premier record du monde qui a été homologué, c'était qui? Le premier recordman du monde. Glenarding, je dis. Patrice, n'importe quoi. Stéphane, tu dis Glenarding? Ouais. Tu connais la bonne réponse, Sylvain, ou pas? Alors, bah, j'ai le document sur un autre ordi qui est ouvert. Ah là là, ça triche! Oh là Mais là, non, oh mais c'est là pour vous là. parler, je regardais les mêmes choses. Voilà. Allez. Donc la bonne réponse c'était Charles Bacon. Avec quel chrono? Je ferme. Je ferme. Ah, elle ferme. Dans l'ordi. C'était quoi le chrono du coup? Attends, j'ai pas fait. Hop. Alors, deux têtes, c'est 55-0, mais je suis pas sûr du tout. Moi. T'avais répondu Léna avant qu'il donne la réponse, sinon tu vas tricher Mais j'ai mis au hasard. là. Ouais, c'était 55-0 le bon chrono. On enchaîne. Qui détient le record d'Amérique du Sud féminin du 400 mètres haies? Oh, c'est Jana, je crois. Non, c'est pas ça. PJ, tu nous entends du coup? C'est bon? Je crois que PJ nous entend pas. PJ nous entend pas, mais je sais pas s'il fait le quiz de son côté ou pas. On verra s'il a mis la réponse ou pas. Bon, répondez du coup ce que vous voulez. Oui, si t'avais raison, c'est bien Jana Woodruff qui l'a fait cette année, en 2021. J'avoue que la perf était. Elle était dans le groupe de Boogie aussi. Ouais, j'en avais pas entendu parler, mais elle a battu le record d'Amérique du Sud cette année. C'était déjà elle qui le détenait, mais elle l'a rebattu cette année. J'ai un point, Nathan. Waouh, c'est bien. Avec quel chrono Caron Clément a remporté la médaille d'or lors des JO 2016? Stéphane, tu sais? Oh, j'ai 47-63. Ouais, c'est ça. Ah non! Non, non, 47-73 en 2016 et Ah. 47-63 en 2012. Ah, voilà. La victoire s'était jouée à 47-63 en 2012, mais lui, il l'emporte avec 47-73 en 2016. Eh, bon, dommage. Ah, alors, on va voir si vous avez révisé les bilans un petit peu. Dans l'histoire, combien de Françaises ont réalisé moins de la minute sur le 400 mètres? Purée, Tu Sylvain, vite. sais pas ça, Je suis Sylvain? pas. Je dirais 177, mais je suis Ouais, pas sûr de pareil. moi. Tu dis ça aussi, Léna? Ouais, pareil, ouais. Et J'ai ouais, mis c'était. 211, mais Non, c'était 177. 177, c'était 177. Ouais. Qui détient le record d'Europe junior du 400 mètres? Il y a les championnats d'Europe junior qui viennent de se lancer en ce moment, donc ouais, il fallait le dire. Est-ce que c'est Jacob Ingebrigtsen? Karsten Warholm, Lazarenko, ou Thomas Chauvet? Bah, Jacob détient au moins 5 ou 6 records d'Europe junior différents, donc pourquoi pas? Tu le sais, Sylvain? Non, je suis non, C'est pas vraiment. Vladimir, non? Ouais, c'est Vladimir Butko. C'est un vieux, vieux record d'Europe. 86, je crois. Mais je ne veux pas vous dire le chrono parce que c'est la question d'après. C'est quoi son chrono, record d'Europe? Alors. Soixante-quatorze ou 78. Ouais, t'es pas mal, hein. T'es pas mal, Un des Stéphane. deux. C'est 74 le record d'Europe.
Dans l'histoire, et là c'est pas en France, dans l'histoire, encore une histoire de bilan, combien d'hommes ont réalisé moins de 50 secondes sur 400 mètres? Bouh, dans l'histoire. Non. Ouais. Attends. Ah, sur le enregistré par World Athletic. Non. Si tu me cites tous leurs noms, je te fais gagner le quiz direct. Dans l'ordre. Allez, moins de 50, je dirais. Ah, déjà, il y a Stéphane Caristan. Ça fait déjà un. Ouais. C'est le seul présent ici. Alors, vous avez mis quoi? 1200. Ouais. Attends, c'est quoi? C'est... Ouais, 1200. Ouais, c'est ça, 1288. Je sais pas par contre qui c'est le premier à avoir fait moins de 50. J'avoue, ça je l'ai pas. Dernière question chez les hommes. Bah, c'est pour ça que je disais, Sylvain, ça tu l'as suivi de près du coup. C'était pour voir si vous avez suivi les Europe Espoir. Chez les hommes, qui a remporté en 2021 le titre européen Espoir sur 400 mètres raies? Putain, Jacob Ingebrigtsen, il a toutes les sauces. Hein. Il est capable de tout gagner, Jacob, c'est pour ça. Je me rappelle d'un championnat d'Europe junior, je crois, où il avait fait. Non, en tout cas, au championnat norvégien, il avait fait 800, 1500, stiple et 3000, quelque chose comme ça. Donc, bon, ce ne serait pas non plus étonnant. Donc c'est qui a remporté? Léna, vas-y, c'est qui a remporté? L'Italien? Moi, j'ai mis l'Italien. Et ouais, c'est bien ouais, ça. J'ai mis l'Italien. Ah, c'est l'Italien. Il est blond, non? Avec des bouclettes. Ah, oh là là. Eh non, j'ai pas eu toutes les bonnes réponses, moi, donc j'ai dû vous donner des fausses bonnes réponses, des fois. Ah, je vois même pas le truc, du coup. Je pourrais voir. Devant PJ? Comment? Est-ce que je suis devant PJ? Ouais, t'es devant PJ. PJ qui a fait 5. Ouais. PJ, d'ailleurs, qui nous a quitté, qui a fait 5. Stéphane qui fait 6 sur 10. Léna 6 sur 10 et Sylvain, tu l'emportes le quiz des chroniqueurs avec un beau 7 sur 10, mais dans le chat, bon. t'as été battu par notamment Juju et Amanama qui ont fait 8 sur 10. Après, dans le chat, ils peuvent tricher sur Internet. Hein. Mais bon, Sylvain aussi a triché. Ouais. Donc, Non. Bon. Bon, en tout cas, merci à tous. Bon, l'émission a duré beaucoup plus longtemps que prévu, mais c'est pas grave, c'était sympa de parler un petit peu de 4H sur ça. PJ, tu nous entends? Oui, c'est bon. J'ai... C'est pas grave. À partir du moment où j'ai ouvert le quiz. C'est pas grave, Fégé, mais par contre, tu t'es fait battre par Léna. Dimension, quoi. Tu t'es fait battre par Léna, et ça, c'est grave, par contre. Bah, bravo, Léna. T'as fait 4 sur 10 et Léna 5. C'est... Voilà. Bon. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir été là. C'était vraiment sympa d'avoir pu parler un petit peu de 4H tous ensemble. Bon, la suite de l'actu pour vous. Donc, Léna, toi, t'as dit tu coupes. Tu recommenceras à courir plus tard pour l'instant. Un peu de repos bien mérité. Autant physiquement que mentalement, je pense que ça fait du bien un petit peu de couper. mais on te revoit sur les émissions très bientôt. PJ, donc lundi, tu pars pour Tokyo. Bon, PJ, ça va être plus difficile de t'avoir maintenant sur les émissions, parce qu'avec le décalage horaire, un petit peu compliqué d'être là. Là, il est en plein milieu de la nuit à Tokyo. Mais bon, on essaiera quand même de t'avoir quand on part à Tokyo, plutôt dans la journée, quand ce sera, si on arrive à... Je sais pas comment ça sera là-bas le réseau ou quoi, mais ça peut être sympa d'avoir un petit point de vue de ce qui se passe... au Japon. Bon, j'ai deux tests PCR à faire avant, hein. Je suis pas encore dans l'avion. T'es pas encore dans l'avion. Normalement, là. Et prendre la température tous les jours. Oui, j'ai la petite. Non, mais j'ai tout le temps 38 avec ce truc. Il est mal calibré. J'ai tout le temps 38. Bon, Stéphane, du coup, tu suis sur Eurosport pendant les JO. Donc là, tu vas être pas mal occupé. C'est ça, oui. Ouais, donc sur Eurosport, vous faites tous les jours, vous avez tous les droits pour la clé. Oui, oui, on fait 2 heures, 6 heures en moyenne et midi, 15 heures en gros tous les jours, donc okay. Ça va être dur. Ouais, grosse quinzaine. Mais bon. Ouais, ouais. Ça va être sympa aussi. 10 jours. Ah bah oui, c'est les jeux. C'est les jeux. C'est toujours cool. Même s'il n'y aura pas de public malheureusement, mais bon. Ça c'est triste. Hein. Et merci à Vincent pour ses données sur les contrôles antidopage. Ah, c'était Vincent qui... C'est lui qui m'avait donné. Ouais. C'est Vincent qui me les avait donné. Et d'ailleurs, et merci aussi à Vincent pour ta présence, Stéphane, parce que c'était Vincent qui m'avait parlé de toi, puisque vous étiez en stage ensemble à Forum et qui m'avait dit... il dit tout. Il qui dit m'avait tout. Dit j'ai un bon invité là pour le 4H. Et c'est vrai qu'il s'était pas trompé. Merci okay. À Vincent. Et du coup, Sylvain, bon là, tes athlètes, ils sont en pause? J'en ai une aux nationaux là. Ah ouais, au France Open comme Agnès. Ouais. Open de France. Et après, bon, après, tu travailles sur tes nouvelles du 4H, le nouveau numéro sur les championnats d'Europe jeunes qui vont arriver. Ouais. Et après, je pense qu'il y aura sûrement un numéro spécial pour les Jeux Olympiques aussi.
Ouais, bah oui. Forcément. Surtout si on a des records du monde. Bah, je... On l'espère. Bah, je vais quand même prendre un peu de vacances à un moment, quoi. Ouais. C'est peut-être à la rentrée. Le... Ouais, bon, t'inquiète pas. Bon, en tout cas, on se prend ça avec attention. Bon, merci à tous d'avoir été là. C'était vraiment cool. Merci à tous ceux qui sont restés sur le chat. Et ben voilà. Et salut. À la prochaine. Salut. Salut. Merci. Salut. Salut.